vous allez mes poulets? Je suis contente de vous retrouver, c'est le matin et le matin je suis toujours de bonne humeur pour faire du Animal Crossing. De manière générale, le matin je suis assez motivée, je me dis, mais Animal Crossing c'est vraiment le moyen de se lever en douceur, tu vois, d'attaquer la journée en délicatesse. Et ça c'est important. Coucou, bah du coup, alors ceux qui sont déjà là, évidemment vous allez camper, comme d'habitude. Je bois à votre santé déjà, j'ai soif. C'est le matin, je bois 2 litres de flotte. Oh, ça dit, l'après-midi aussi, et le soir j'en bois 3, donc en fait... Ça va et toi, Auré Cruz? Cruz. Ça me fait rire votre manie de mettre que les consonnes pour les noms de famille. Du coup, c'est imprononçable, c'est drôle, j'aime bien. Ça va, je vais bien. J'ai commencé le montage de la box cube de la semaine prochaine et ça va être chouette, je pense. J'ai utilisé le fond vert. Donc, je joue en même temps que toi cette fois. Ah, c'est cool, Lina. Coucou, tout le monde. Là, vous êtes les avant-premiers heureux, hein. Moi, ça va et toi, Kaloum Mouton? J'aime bien ton pseudo. Bah oui, je vois qui tu es du coup sur Discord. Hein. Premier stream que je regarde. Bienvenue, Léna. N'hésite pas à follow. On est bien. Le but, c'est qu'on atteigne les 7500 follow. Comme ça, on peut envahir Boucau. Boucau, c'est une ville en France. Voilà. C'est-à-dire que si on est 7500, on peut virer les habitants et y aller. Enfin, on peut pas vraiment le faire, mais on pourrait théoriquement, tu vois. CRZ, c'est crazy. Ah, ok, moi, je pensais que c'était pour ton nom de famille. J'ai vu la vidéo de ce matin, j'ai adoré. Ah! Ça me fait plaisir. Alors, le stream, alors je vous en parlerai après, mais j'ai une petite idée. Parce que le stream, en gros, il est très peu de temps après que la vidéo soit sortie en soi. Hein. Donc, je pense que je vais trouver un petit truc de code après pour voir si vous allez l'avoir après. On n'a pas du tout campé. Non, c'est là-bas. Il n'y a encore aucune notif qui s'est envoyée, en fait. Donc, c'est que vous campez quand même un petit peu. Un petit peu. Même pas eu le temps de finir la vidéo Wolf Among Us. Ah, bah, Coris, justement, il faudra finir après. Hein. On va trouver un truc. En fait, il faut trouver une idée. Parce qu'effectivement, en fait, j'ai eu la question ce matin, tu vois. Parce que la vidéo de ce matin sur YouTube, elle est sortie à 9h30. Et le stream, il est à 10h30. La vidéo a fait 50 minutes, 45 minutes. Donc c'est un peu juste, tu vois. Sauf si vous avez vraiment sauté dessus à la sortie. Du coup, je pense il faut trouver un nom de code ou un truc que vous puissiez mettre en commentaire. Genre un peu de Team Twitch, tu vois. Mais genre que je sais que vous êtes allé la voir après le stream. Mais j'ai pas la phrase encore. J'ai pas encore la... Merci pour le compliment. Oh, bah ça me fait plaisir. La notif Twitch est partie et Discord aussi. Magnifique! Je dois faire mon ménage le samedi matin. Bah c'est très bien MyWing, tu mets le stream en fond. Cool, les bots ont bossé, ça c'est cool. Oui, je suis magnifique, je sais. Ah bah écoute, ça me fait du bien de faire des petits compliments sur Twitch de temps en temps. Non, en gros. C'est juste que là, j'ai une vidéo qui est sortie à 9h30 ce matin. On est d'accord, oui voilà. Tu vois, genre, Noulaya, elle me fait « Mais Thibou, j'ai en train de regarder ta vidéo de ce matin. » Parce qu'elle est sortie il y a 1 heure, tu vois. Donc, ce que je vais faire, enfin, ce qu'on va faire, parce qu'il faut que vous le fassiez aussi, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt, en fait, si vous le faites pas. Genre, là, on fait une pause stream, tu vois. Vous allez regarder The Wolf Among Us, peut-être un peu, peut-être pas du tout, etc. Quand vous aurez vu la vidéo, vous mettrez un commentaire en dessous et vous direz « Les poissons scorpions... » Il faut un truc qui rime en « on ». C'est le démon. Ah. Du coup, comme ça fera un rapprochement et je saurai que vous avez quand même vu la vidéo. Tu vois, il y a une... Hey Thibou, j'étais en train de regarder la vidéo et je la finirai après le live. Bah voilà, bah Aris, du coup, voilà, typiquement, si ça t'a interrompu dans ton visionnage, tu pourras mettre les poissons scorpions, c'est le démon en commentaire. Et comme ça, on saura que c'est un peu la team Twitch, tu vois, c'est un peu un signe particulier. Genre, les gens, ils vont être en mode, mais pourquoi ils disent ça? Genre, comprends pas. Oh, je suis désolée pour ce que j'ai coupé pour la vidéo de ce matin. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait un peu un lien de code, tu vois. Les poissons scorpions, c'est le démon. En plus, c'est une belle rime. C'est totalement en rapport avec Animal Crossing. J'ai pas YouTube, je ne pourrais pas pour les poissons scorpions. Oh, t'as pas YouTube? Oh, c'est pas fréquent. C'est-à-dire que tu m'as découvert ici? Megan Mariette? Les poissons scorpions, c'est le démon. C'est le mantra du jour, d'accord? C'est le mantra, c'est-à-dire que la vidéo de ce matin, je veux plein de commentaires. Bon, vous avez le droit de dire des trucs en rapport avec la vidéo aussi, hein. Non mais, je veux ça dedans, comme ça je saurai que vous êtes sur Twitch. J'ai fini la vidéo juste avant la notif. T'as mis un commentaire ou pas, Evilia? Au pire, tu mets un autre commentaire. Non mais pas ici, il faudrait le mettre sous la vidéo YouTube. Ici, ici, je sais que vous êtes là. Ça n'a pas de sens. J'ai eu le temps de la regarder en entier. Ah, bah Reine à Flamme, du coup, bah tu pourras toujours le noter quand même si tu veux. Hein. Faudrait le mettre sous la vidéo YouTube. Pas sous le stream là. Je viens d'aller le mettre. Ah, Nonoline, t'as pas. Ah oui, mais tu l'as déjà vu, c'est pour ça. Vous pourrez laisser un autre commentaire, ceux qui ont déjà mis. Je vous verrai deux fois comme ça.
J'ai pas eu le temps de la commencer. Bah très bien, aquarelle, comme ça tu la verras après. Je viens de pêcher un poisson scorpion. Bon, du coup, est-ce qu'on n'attaquerait pas? Hein? Parce que du coup, toutes les notifs se sont envoyées. Bienvenue à tout le monde. Bonne journée à tout le monde. Rien que pour toi, je commenterai ta vidéo alors que je fais jamais ça d'habitude. Oh, et les mods, je suis touchée. J'ai pas de compte YouTube. Donc vous êtes quand même pas mal. Vous êtes quand même pas mal. Alors attends, je récapitule. Alors déjà, juste par curiosité. Bon, ça va, c'est le matin, on chill, on papote. Combien il y en a parmi vous qui m'ont connu par Twitch uniquement et qui connaissaient pas du tout ma chaîne YouTube? S'il y en a qui sont là. Ça se trouve, vous êtes tous de YouTube. Mais j'ai l'impression que vous êtes quand même plusieurs. Mettez en commentaire, enfin mettez dans le chat si qui m'a connu par, que par Twitch, tu vois. Genre qui me connaissait pas du tout avant. Et du coup, bon, j'explique. En gros, il y a une vidéo sur YouTube qui est sortie ce matin à 9h30 sur un let's play. Ah oui, un sondage, c'est pas con. Bah bon, non mais à mon avis, il va être minoritaire de ouf. Le sondage, ça sera... Vous pensez un sondage? Bon bah vas-y, sondage. Mais à mon avis, à mon avis, ça va être... Il va y avoir 4 personnes, quoi. Bon vas-y, bah si une modo peut faire un sondage dans ce cas-là. Comme ça, ce sera plus simple. Pour savoir le nombre de personnes. Ouais, ouais, on peut, on peut, on peut. Je sais pas, vous êtes combien déjà dans le stream, là? Je te connais même pas, MDR, je viens de voir ton live. Ah bah, Charlotte. Bienvenue, bienvenue, du coup. Et du coup, alors, je récapitule, du coup, pour ceux qui connaîtraient pas éventuellement, pour même pour ceux qui ont pas trop compris, tu vois. En gros, c'est que les modos qui peuvent faire les sondages, c'est pas vous. En gros, j'ai sorti une vidéo ce matin à 9h30. Et l'idée, c'est que quand la vidéo... quand, là, vous êtes sur le stream, donc du coup, vous n'avez pas forcément pu voir la vidéo. Bah, quand vous irez sur la vidéo, vous mettrez en commentaire la petite phrase « Les poissons scorpions, c'est des démons. » Ou je sais plus ce que j'ai dit, mais c'est un truc comme ça. Eh ben, les fifilles. Oh, pauvre Lina. Oh, mais Lina, c'est toujours elle qui le fait, là, elle essaie de les faire, et puis... parce que tu es sub par Amazon Prime, Mimi, moi. Anaphor, c'est parce que j'ai demandé combien vous étiez sur le stream. That's why. Les poissons scorpions, c'est le démon. C'est ça. C'est pas ce que j'ai dit. Ça, je perds la tête. Ah, c'est le matin. Ah, mal le matin. C'est comme tard le soir. Pas trop m'en demander. Hein. Mm. Moi aussi, je viens de me réveiller. Mais oui, c'est le matin. On émerge. Tu peux fermer ma porte si tu veux de l'amour, hein. Parce qu'il vient de revenir des courses. T'es pas obligé, hein. C'est si ça t'embête le bruit. Go m'abonner alors. Oh, c'est gentil ça. C'est pas obligé, hein. Ouais, alors, allez voter pour le sondage. Vous êtes... Ah, il y en a quand même 5. 5 par Twitch. Alors, par contre, tu m'emmènes la monstre, hein. Tu me laisses pas le petit, hein. Non, merci. Il me dit que je suis belle. C'est un homme parfait. Donc, il claque les portes et c'est pas sa faute. Je t'ai connu sur une vidéo bougie alors que j'en ai jamais eu. Ah ouais, ça date, Luxius. J'ai l'impression que t'as que des filles qui te suivent, c'est pas pour me déplaire. Mégane, j'ai une grosse majorité de meufs. Mais il y a quelques gars aussi. Ouais, donc ouais, ouais, grosse, grosse majorité. Vous êtes 5 seulement à me connaître de Twitch sur les deux. Bon, après, tout le monde n'a pas voté. Mais oui, donc oui, c'est quand même grosse majorité qui connaissent ma chaîne YouTube. Stream Animal Crossing, le matin, c'est trop bien. Mais oui, j'adore. D'ailleurs, on va peut-être attaquer, hein. Oui, ils sont 5, c'est ça. Le petit, on dirait que tu parles d'un gosse. Bah, le petit, bah, c'est le chat. Allez, go! Ça serait intéressant à faire comme sondage, genre, quand tu auras plus de monde, tu vois. Moi, je suis un garçon. Mais oui, j'ai des mecs, quand même, hein. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Ah, bah, bon anniversaire, MG60. Allons déterrer des fleurs. Ouais. Ouais, 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 ouais. That's the objectif. Ah, la fifille. Bonjour à tous, chers résidents de Lille. En ce samedi 6 juin 2020, il est actuellement 10h40 sur notre belle Choup City. Flûte alors, je crois qu'il n'y a vraiment rien de neuf aujourd'hui. Oh, dites-moi, est-ce que vous avez suivi la retransmission du concert à la télé hier? Mon groupe préféré a interprété un de ses titres emblématiques et j'ai toujours la musique en tête. Oh là là, me revoilà qui ennuie tout le monde avec mes histoires de télé. Pardonnez-moi. Sur ce, je retourne à mes activités afin que chaque instant que vous passez sur cette île soit enchanteur. Elle est un peu inutile, Marie, quand même. Hein. Un peu, hein. On va pas se le cacher. Hein. Pas... C'est pas... Team garçon. Ah bah oui, vous êtes pas mal de mecs. Alors, il y a des fleurs de partout. Oh là 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 là, c'est la débandade. Voyons, voyons le courrier, déjà. On va aller faire la photo en proms, hein, comme on avait fait hier. Je pense que c'était pas mal.
Marie me fait penser une... Oh là, il y a plein de trucs! Alors ça, du coup, c'est mon cadeau. Je récupère, du coup, le seul truc qui était bien. Oh, merci Nolan! Fier d'être moi-même, si j'ai peu de chances de trouver l'amour sur ta communauté. Bon, pourquoi Nolan? Attends, là, techniquement, il y a de la marge, hein? Ouais, j'ai des mecs quand même, petit Tifou, mais c'est vrai! Niro! J'ai rêvé que nous escaladions une montagne ensemble, toi et moi, et tout en haut, il y avait un canapé où on s'était assis pour regarder le coucher de soleil en mangeant des sucres d'orge. Oh, Miro, il veut nous pécho, c'est mignon. En vrai, Miro, je l'aime bien. Hein. En vrai, est-ce qu'il va y avoir des émotes Animal Crossing? C'est pas prévu. En même temps, j'ai pas droit à beaucoup d'émotes. Hein. Celui-ci est tellement adorable. Il a une tête à s'appeler Gertrudo. Je compte sur toi pour le câliner, lui chanter des berceuses de soir. Bon stream et vive les nains, je suppose. Chemi m'envoie une certaine quantité de nains. Alors attends, je vais quand même vous montrer le nain d'abord. Puisque, voilà, vous voyez tous les petits nains là, c'est Chemi. Oh, il y a un arbre à pognon. Alors attends. On va mettre le nain ici. Je pense que c'est pas mal. Hop. C'est le nain ou c'est... Ouais, nain de jardin. Attention. Ah! Oh, bah il est basique. Franchement, par rapport aux autres, je m'attendais... Avec le nain gothique nazi d'hier, il n'a pas la même expression. Lui, il a l'air choqué. Lui, il a juste l'air mort, en fait. Et attends, les autres. Non, lui aussi, il a l'air mort. Et lui, il a l'air badass. Il y a trop de nains. Oh, June, je sais pas. Hein. T'es trop innocente, Thibou, vu le peu de garçons, je suis pas sûre. Eh, j'ai quand même plus de mecs que vous pensez. Après, il n'y a pas beaucoup de mecs hétéros, par contre. Ça, il y a plus de mecs, j'avoue, plus de mecs gays, mais il y a quand même... Non, non, il y a plus de mecs que vous pensez. Hein. En convention, il y a quand même pas mal de gars. Hein. Nanana. Ne vous fiez pas aux apparences. Il a juste l'air mort, mais c'est vrai. Je visiterai vos îles, ouais, mais pas aujourd'hui. Enfin, je trouverai un moment. Oh. Elle m'a encore envoyé une épingle, Nonoli. Pour t'aider à payer Tom Nook, bon ok, j'ai besoin des coups de balai pour toi. C'est quoi? C'est quoi, c'est quoi? Voyons, voyons, voyons. Donc ça se doit être l'épingle. Épingle luxueuse, forcément, elle s'arrête plus avec ça. Et 30 000 clochettes! Eh ben Nonoli! Eh ben Nonoli! Les nains, c'est pas viens-y? Je comprends pas, Mimi, moi. J'avoue, Team Gay. Mais oui, voilà, les mecs hétéros, il n'y en a pas des masses. Ou alors, ils sont en couple. Les mecs hétéros que je connais dans mes abos, ils sont tous posés en couple. J'ai pas de mecs hétéros en mode qui ont envie de serrer de la meuf, tu vois. J'en ai pas beaucoup. Sac de 30 000. Bah, merci, Nonoli. Écoute, merci beaucoup, mais il faut pas faire ça. C'est très gentil. Et du coup, ça, attends, je vais essayer ton épingle. On va la porter. Et quelle couleur aujourd'hui? Oh, doré! C'est trop mignon! Hop là, on va aller ranger tout ça et on va aller faire la photo. Moi, je suis tous les bords, PTDR, mais je suis une fille dommage. Pourquoi dommage? C'est bien, c'est bien des petites meufs. Faut pas. N'y aurait-il pas un mec hétéro, pas un couple? Alors, les amis, je vous aime hein, vraiment et je vous souhaite de péchoter tous les jours de votre vie avec plein de kiff. Hein. Mais on est, enfin, je suis pas un site de rencontre si tu veux. Si tu veux baiser, va sur Tinder. Tu vois ce que je veux dire? Après. Je n'ai rien contre le fait qu'il y ait des affinités qui se développent entre vous, hein. Mais voilà, pas. Tu vois ce que je veux dire? Thibaut, tu voudrais quand même pas nous arranger un coup? Bah non, justement, Zoé et Terry. Non, 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 non. Non, parce qu'après, en plus, ça va mal finir. Parce que les trois quarts, vous êtes assez jeunes, donc forcément, ça va être l'extase pendant 3 semaines. Et puis après, il m'a quitté! Et puis après, vous allez me le dire à moi, et ça va me faire chier. J'ai eu ça pour mes anciens modos, hein, déjà. Ça, c'est sûr. Non, 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 non. Démerdez-vous, hein! Franchement, je veux pas avoir affaire avec ça. Alors, allons faire la photo. Et on verra après pour mon île. Non, ça va, je patine. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Le gars du live Insta était trop chou. Bah voilà! Ah non, mais ça, c'était typique, c'était trop drôle. Genre, en fait, sur Instagram, des fois, ça fait un moment que j'ai pas fait. Oh, y a Kéké! On dirait dire bonjour après. Sur Insta, des fois, je fais des lives avec vous, en fait, où je vous prends en visio et du coup, bah, les gens vous voient, quoi. C'est vous montrez vos chambres, on papote, vos dessins, tout ça. Et il y a eu un gars, un moment. Oh, il était beau, mais il était jeune, hein. Il devait avoir, je sais pas, 16, 18 ans. Et je lui ai dit, putain, j'aurais eu 10 ans de moins, même 15, 20. Bref, beaucoup d'années de moins. Aurait été cool, tu vois. Mais je l'ai dit en déconnant, comme il était grave mignon, voilà. Mais alors, les meufs dans le chat, le mec, il a dû avoir, je sais pas, 200 personnes au moins qui l'ont follow. C'était trop drôle. Ah non, mais il était adorable. Ah oui, mais en plus, il était trop cute, quoi. Donc, ah non, mais franchement, j'aurais eu, ouais, peut-être, ouais, les 20 ans de moins. Non, pas 20 ans. 15 ans de moins. 15 ans de moins, tu sais. J'aurais tenté.
Mais là maintenant, avec mon âge, vraiment c'est un minot, genre du coup il m'attire pas dans ce niveau-là, tu vois. Mais objectivement, je le savais qu'il était beau gosse. Je savais que les meufs dans le chat, elles étaient toutes en mode ah, je l'aimais. Il était sexy, bah oui, il était sexy. Pas pour moi, mais objectivement, je le sais, tu vois. Bah alors, Thibou, tu fais plus maman Thibou que ta communauté MDR, dommage, tu vas devenir mamie Thibou. Ouais, abuse pas, Nolan, j'ai que 30 ans, hein. 30 ans, en vrai, j'ai très célib, je pourrais coucher avec un mec de 20 sans problème, hein. Mais c'est juste que déjà, je suis pas célib, et puis, en vrai, les minots, c'est beau. Non, mais j'avoue qu'un mec de 20 ans, t'en as qui ont vraiment une belle tronche, tu vois. Mais... Oh, c'est des bébés, quoi. Hein, oui, non, parce que forcément, quand tu vieillis, tu prends de l'XP, on va dire, niveau QQ, tu vois. Non, mais genre, t'as des exigences, un minimum, puis tu connais ton corps, tu connais le corps de l'autre. Et bon, voilà, te taper un minot qui connaît rien, ou qui est dans la prouesse, etc. Franchement, flemme. Flemme de ouf. Vraiment, flemme de ouf. De toute façon, question se pose pas, je suis en couple. Tiens, Thibou, ça fait plaisir de voir ta bouille. Et donc, tu veux encore tirer le portrait à Risette et Serge, ou t'as des questions pour le studio Des photos. T'imagines ton mec t'entend parler de ça? Bah, tu crois que je vais me gêner? Enfin, genre, j'ai rien dit de mal, hein? Nos problèmes, laisse-moi le temps de passer en cuisine, de préparer mon studio mariage, ce sera pas long. Pour le coup, je t'encourage à aller voir ma FAQ que j'ai sortie avec mon chéri mercredi dernier. Oh non, pas encore ça! Et tu verras que je ne me gêne pas pour parler devant lui. Si je devais me cacher pour parler de ce que je pense à mon mec, il y aurait un problème dans notre couple, hein, clairement, hein. Ah bah entre un mec de 20 et 30 ans, il y a une différence. Bah oui. Après, t'as des mecs de 20 qui savent être de bons amants, hein, je dis pas. Hein. Mais... moins, je pense. Forcément, il y a moins de pratique, hein. Ah, je la lis plus, elle me saoule. Oh là, c'est toujours la même chose. C'est le moment d'écho, ouais. Un live de Thibou sans parler de cucu, c'est pas un live de Thibou. Oh, on n'a pas parlé de cucu, là. C'est vous? C'est vous qui vous êtes chauffé de ouf, là. En mode... T'es beau, je suis un garçon, j'aimerais bien une meuf. Moi, je suis une meuf, j'aimerais bien un mec. Mais c'est moi qui vous ai calmé, là. C'est vous, hein. Wesh. C'est pas moi, hein. Quand tu dis minot, je pense à minou comme les chats. Ouais, non, minot, moi, c'est un bébé, tu vois. Allez, on recommence. Alors, j'espère qu'il y a des nouveaux meubles sympas, parce que sinon... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un orgue de mariage. Mazette. Et un autre truc, peut-être? Ou il y a juste un orgue, aujourd'hui? Ah ouais, ils ont fait des rats, il y a juste un orgue. Oh là 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 là, c'est pas ouf, hein? Ouais, je te come back. Bah ouais, Mimi. C'est devenu un live moitié blabla, moitié Animal Crossing. Bon, en même temps, Animal Crossing, c'est un peu fait pour ça, tu vois. Entre autres. Et allez, ça se marie encore. J'espère vraiment avoir des trucs bien à un moment, quand même, hein. Parce que là, niveau objet et tout, c'est vache répétitif. Heureusement, ils en donnent un ou deux nouveaux par jour, mais enfin là... ça fait pas beaucoup, quand même, hein. Bah, j'aime bien reculer un petit peu. Un petit peu plus. Je veux l'orgue. Ouais, l'orgue, il m'intéresse. Je pense que l'orgue, je vais le prendre. Oh, avec les récompenses. Sauf si c'est ça qu'il m'offre, mais j'y crois pas. Ils m'offrent toujours des trucs nuls. Ils vont jamais m'offrir un truc stylé, tu sais. Ils sont radins sur la déco, mais de ouf. De ouf, de ouf. Rien de nouveau à part l'orgue. Ouais, c'est triste, hein. C'est un peu des pinsons, hein. Hop. Après, il y a d'autres thèmes comme chic et jardin, mais c'est répétitif. Bah oui, c'est ça, ça alterne. C'est un peu nul. C'est un petit peu nul. Après, bon, ça va, du coup, je vais plus vite. C'est ça aussi. Parce que les premières fois, forcément, c'était long. Vu que bah, je regardais tous les objets pour faire un truc stylé. Là, en vrai, tu t'habitues, tu vois. Ah, merci, Louison, pour le dos droit. Tu as raison, je vais me redresser. Oups. Redressage. J'aime bien ton prénom, Louison. Je sais pas si c'est ton vrai prénom, mais il est stylé. Le banc de mariage, PTDR, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on en fasse? Mais c'est ça. Bah, je l'ai revendu, hein. Alors là, nos scrupules. J'espère qu'ils vont m'offrir l'orgue, en vrai. J'y crois pas trop, je pense qu'ils vont m'offrir un truc pété, mais j'aimerais bien l'orgue. Je parle comme si c'est wesh aujourd'hui, hein. C'est parce que c'est le matin. Rien à voir. Rien à voir. Toi, tu veux pas bouger, meuf? Mais non, mais non. Mais moi, en fait. Ah, voilà. Oh, je gigote dans les airs. Hop là. C'est dommage, j'aurais pensé qu'ils allaient faire des thèmes comme lune de miel. Bah, moi, je pensais que ça allait juste changer de thème tous les jours, en fait. Parce que là... Ouais, c'est ça, petite Tifu, c'est exactement ça. Alors, on va mettre... bah, il n'y a pas grand-chose à mettre. Si, l'orgue. Waouh! Ah ouais! Ah ouais! Il pète la classe, quand même, hein. On va se mettre là pour jouer à l'orgue. C'est nous qui faisons la musicienne. Hop, voilà, on joue de l'orgue. Oh là là, on est si appliqués.
Parfait. Au moins, on est musicien. Il est beau. Ouais, franchement, il est beau. Franchement, lui, j'aimerais bien choper. Alors, on va remettre des fleurs, hein. Il faut quoi? Il faut 25 trucs pour... Attends, j'ai une idée. Il faut 21 objets à eux pour qu'ils soient contents. J'aimerais bien le mettre en biais. On peut pas le mettre en biais, c'est nul ça. Enfin, c'est nul. J'exagère un peu, c'est pas nul, mais... Tu vois, j'aimerais bien le mettre à cheval là. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, je suis sûre que tu vois. C'est dommage de faire un event aussi long avec aussi peu d'idées. Mais c'est ça! Franchement, à la limite, ils auraient dû faire une semaine, mais avec un truc différent tous les jours, quoi. Parce que là, tu refais la même chose en boucle, l'intérêt est quand même limite, quoi. Je vois pas, enfin d'ailleurs, je le vois pas. Après, tu vas dire Animal Crossing, c'est assez répétitif de base. Je te dirais que oui, c'est vrai. Mais quand même, tu vois, wesh. Wesh. Merci à tous ceux qui follow! On approche de l'objectif pour envahir Bouko! On est 426. Ah! C'est bizarre, on était 200 au début. Il y en a 200 qui sont arrivés après. Ouais, bah voilà. Ah non, il faut mettre des fleurs au plafond. Au plafond, au mur. Il n'y a jamais personne au mariage, c'est triste. Ouais, j'avoue. Ils auraient pu faire venir des invités aussi. Genre faire popper des habitants. J'ai plein d'idées en fait pour Animal Crossing, il faut que je bosse chez eux. Les fleurs, les fleurs, les fleurs, les fleurs. Attends, hop. Déjà, il me faut la vue. Hop. J'ai une chanson dans la tête, c'est Tu portes le t-shirt Harry Potter. Oui, tu connais ma garde-robe, Dracolos. C'est une chanson sur les sorcières. Une vieille chanson. Attends, c'est quoi? Je vais essayer de vous trouver la ref. Vous essayerez de l'écouter, vous me direz. C'est Anne Sylvestre, une sorcière comme les autres. C'est une vieille chanson, hein. Et en fait, c'est dans le bouquin que je lis en ce moment sur les sorcières. Et la meuf en a parlé dans le bouquin, l'a citée en tant qu'exemple, justement, pour parler un peu des sorcières dans la pop culture. Et je l'ai écoutée, et je l'ai dans la tête, même, je l'écoute tout le temps. Donc, si jamais vous êtes curieux, une sorcière comme les autres d'Anne Sylvestre. Voilà, c'est ma petite rêve du moment. J'en ai mis trop là. Oh, j'en ai mis trop! On va en mettre. Ah, on peut peut-être faire comme ça. Voilà, ça par contre, non. Zup. Comment on tourne? Ah, voilà. Tourner dans le vide, vide. Chétez-vous les mariages rendent heureux les fleuristes. En même temps, en vrai, c'est pareil, hein. En vrai, je vais apprendre mon cours avec ton stream en arrière-plan, c'est parti. Bon courage, Chouriri, hein. C'est pas... Non, Oriri, pardon. C'est pas forcément évident d'apprendre en même temps que tu écoutes. Ça me paraît délicat, hein. Tu peux pas faire apparaître tes villageois dans le menu sur la tête de chat. Peut-être. En vrai, c'est pas... J'aimerais bien que ce soit... En fait, j'aimerais bien voir d'autres gens. Ça, c'est pareil, un truc... Alors, j'ai jamais joué à Animal Crossing avant celui-là. Et je trouve ça assez frustrant qu'on voit pas plus de villageois. Enfin, ça tourne... Enfin, on est très vite limité, en fait. Genre, ça aurait été cool qu'ils nous fassent... Bon, t'as ceux qui visitent, ok, de temps en temps. Mais t'en as pas beaucoup des campeurs qui viennent squatter, quoi. Puis tu peux pas facilement les mettre à la place des tiens. Faut manipuler le bordel, tu vois. Enfin, c'est pas... C'est un jeu génial, enfin c'est un jeu qui est super fun, mais je pense qu'il y aurait grave moyen de le rendre encore plus fun. Il n'y a jamais trop de fleurs. Oui! C'est ça! Hop. Le petit tableau, comme d'hab, c'est quotidien maintenant. Hop. Ah, Lina, petite maline. Bien joué, meuf. Pour fêter mon bac, un live de Thibou. Oui! Bravo pour ton bac! Vous êtes beaucoup à avoir eu le bac ou un examen cette année? Comment ça s'est passé du coup? Vous l'avez eu en mode offert, entre guillemets, ou... Je sais que pour pas mal de mes modos, ça a été le cas. Sincèrement, je préférais les anciens jeux, il y avait un centre-ville et beaucoup plus de choses à faire. Ah ouais? J'ai jamais joué à un ancien jeu en fait. Enfin, j'ai jamais joué à un Animal Crossing, à part l'application téléphone, qui m'a lassé assez rapidement, je dois bien l'avouer. Enfin, j'ai quand même joué un peu, tu vois, mais... Mais j'ai jamais joué à un ancien. Les fleurs et Tibou, ça devient une habitude. Oui, bah en même temps, il y a besoin de 21 objets de toute façon pour eux. Alors, fatalement. Alors, les expressions maintenant. Qu'est-ce qu'on va leur choisir de faire? Fureur, vent glacial, étonnement, applaudissement. Ouais, non, pour un mariage, t'applaudis pas ton mariage. J'ai eu le brevet en contrôle continu. Moi, j'ai eu un rattrapage le 18 juin. Rien à voir l'application. Ouais, elle sait. Bah, oh, mais il y a quand même un peu à voir, faut pas exagérer. Il y a quand même un peu à voir, t'as quand même les persos, mais c'est que du farm, quoi. Ouais, je vois, c'est bien.
Je vois, c'est bien. Coucou Thibaut, j'espère que tu vas voir mon message, mais bon, logiquement, oui, je voulais te remercier car j'ai vécu du harcèlement et ça a été très dur, mais tu m'as beaucoup aidé. PS, je fais une dédicace à ma cousine Coralie, son Insta Coralie May, elle est dessinatrice. Oui, je fais de la pub, je m'éparpille, désolé, bye. C'est pas grave, Maëlys, t'as raison, utilise ta dédicace, hein. Et bah écoute, je suis ravie d'avoir pu t'aider quand ça n'allait pas et de te faire sourire quand tu étais triste tout. Et j'espère que tu vas mieux, et j'ai l'impression, et c'est tout ce qui compte. Voilà, là ils vont être mignons, ça va être bien comme ça. Et il nous manque la petite touche originale. Il faut que je chope de nouveaux objets. Hein. Il faut quand même que je chope de nouveaux objets parce que là, je manque de touche originale quoi. Ah, c'est con ça, Mélamilimélo. Mais du coup, ils vous l'ont pas. Ils vous ont pas donné de contrepartie. Enfin, genre, ils vous l'ont pas donné ou. Oui, mais j'ai pas envie de changer la tenue de mon perso. De toute façon, il sera pas pris en photo alors. Mais il me manque un petit truc marrant, tu vois. Oh, oh, bah je peux mettre les nains. Des nains nazis. C'est cool ça comme idée. On va mettre les nains nazis de chemise, tiens. Hop. Ça fait un peu militaire. Non, pas ça. Non. Voilà. Non. Oh, c'est toi que je veux. Magnifique. Mieux centré, c'est mieux. Voilà. On a nos petits nains, on est contents. Bon, parfait. Alors du coup, photo. Ah mais il faut qu'on se déplace pour faire la photo. Bah oui. Sinon ça va être compliqué, hein. Et bah parfait. Alors ZL, allons-y. Donc on s'enlève. Ah, je suis devenue une pro en photo maintenant. Dire que la première fois, je savais pas comment ça marchait et tout. Là, je suis devenue au taquet, quoi. C'est bien, on voit un peu les nains. Ah franchement, eh, là, ça fait vraiment photo de mariage. Il y a que les nains qui squattent. Tu sais pas pourquoi. Regardez-moi. Faites votre petite tête. Non, c'est A. Voilà. Ah oui, bah attends, là t'as une fleur devant le nez. T'as encore une fleur devant le nez. Ah oui, bah non, mais. Ah là, ils sont mignons. J'aimerais bien qu'il n'y ait pas de fleurs devant. Mais. Attends, mais je prends 1 million de photos, ça va être chiant comme tout. Voilà, là ça va, ça va. Il y a une fleur devant, mais bon, ils sont contents, c'est ce qui compte, quoi. C'est trop bien avec les nains. T'as vu, c'est le petit détail sympathique. Dis-vous, photographe professionnel. Ah bah. Vas-y, regarde. Vas-y, vas-y, je te permets, je te permets. Coucou, Weika. Bienvenue à ceux qui arrivent en cours de route. Elle est contente. Ah, bah écoute, ça me fait plaisir, meuf. Petit... Ah, dis, vas-y, 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 attends, 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 attends. Donne-moi l'orgue. Franchement, franchement, donne-moi l'orgue, s'il te plaît. S'il te plaît. Oui. Oui. Contente. Ah, c'est cool, elle a pas fait Sarah. Ah, je suis contente. Je viens d'aller l'écouter et c'est la même ou bien la vôtre, une sorcière comme les autres. Ah, cool, tu l'as écouté. Allez, touche. Attends, 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 où tu es? Alors, attends, je passe mes examens le plus normalement du monde après 2 mois sans cours, rien. Sinon, vous savez à quoi servent les cœurs qu'elle donne. Mylène, les cœurs, c'est pour acheter d'autres meubles. Coucou Thibaut, c'est moi les touches, pervers. Est-ce qu'il y aura un live plus tard? Si oui, à quelle heure et quelle catégorie? Animal Crossing, Ori, Planet Zoo, etc. Alors, merci beaucoup pour tes bites. Et il y aura un stream cet après-midi. Oui, j'ai réfléchi longtemps pour répondre à cette question. Il y aura un stream cet après-midi, mais je ne sais pas encore l'heure exacte. Ce sera sur le zoo. Je ne sais pas, parce qu'en fait, les filles, elles doivent faire une animation. Enfin, elles veulent faire une animation cet après-midi sur le serveur. Donc, la grosse folle blonde. Coucou, je suis nouvelle. Je viens de la team silencieuse sur YouTube. Je dois repartir parce que j'ai pas vu toutes les rediffusions. Mais j'en suis déjà à la moitié en une semaine. Oui, je suis une petite toquée. Tu peux prendre en cours de route, meuf, hein, parce que ça va être compliqué d'être à jour. De toute façon, parce que Twitch demande l'exclusivité des streams pour 24 heures. Donc moi, je suis obligée d'attendre 24 heures pour vous les mettre sur YouTube. Donc clairement, prenez le train en marche. Hein. Et oui, oui, il y aura un stream cet après-midi. Mais voilà, je sais pas si ce sera ça début d'après-midi ou fin d'après-midi. Ou... En sachant que j'ai aussi un montage à faire. Faut que je tourne, c'est... Il va falloir que je ralentisse un moment les streams. Hein. Mais en vrai, j'adore tellement ça. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, parce qu'en fait, il y a YouTube aussi, tu vois. Et ça me prend un temps. C'est compliqué de tout faire. Je fais des crêpes pendant ton live. Oh, Mel, je suis jalouse. Vas-y, regarde, écoutez combien, l'orgue. Mais oui, je suis pas du tout à jour. Ah oui, non, il n'y a pas besoin d'être à jour pour voir un stream, hein. Il y a une rediff sur Twitch aussi. Oui, c'est vrai, j'y pensais pas, Chloé, effectivement. Effectivement. Ça va et toi, Emiku? Sinon, fais tes let's play ici, tu les mets sur ta chaîne après. Amandine, j'y ai pensé. Le truc, c'est qu'il y a le chat. Donc, je sais pas...
Oh, 40! Putain, heureusement qu'elle nous l'a offert. Hein. Heureusement, elle nous l'a offert. Putain, je suis trop contente. Va pas nous faire un burn-out, on a besoin de toi. Alors, en soi, je pense pas parce que, en fait, je m'éclate vraiment quand je le fais. J'ai vraiment envie de le faire. Genre, je suis allée au marché exprès super tôt hier, exprès pour avoir le temps de streamer. Je m'amuse de ouf. Mais le truc, c'est qu'il y a un moment, je vais me dire, attends, mais si j'ai besoin d'une après-midi pour sortir ou faire un truc, comment je fais pour tout faire, quoi? Parce que mes vidéos YouTube, faut aussi que je les monte. Donc, c'est déjà répondu, la grosse folle blonde, hein? Tu radotes, ma fille. On adore tes live Twitch, mais si t'es fatiguée ou débordée, t'es pas obligée d'en faire autant. Bah, en vrai, j'ai pas envie d'en faire moins. En vrai, j'ai plus envie d'en faire plus, même. Il y a tellement de trucs que j'ai envie de faire avec vous, de partager avec vous. Là, j'ai envie de faire 36 000 trucs en même temps. C'est frustrant, tu vois. Là, ça va parce que j'arrive à faire Animal Crossing et l'autre truc. Mais genre typiquement Animal Crossing, je suis obligée de le caser dans la journée. Mais je veux trop le faire avec vous. Arrête YouTube. Ouais, peut-être pas. En fait, c'est pareil, c'est complémentaire. Parce que YouTube, il y a des trucs que je me verrais pas faire ici. Par exemple, les updates lecture, les choupes artistes, choupes défis. Ça, c'est vraiment bien pour YouTube, je trouve. Parce que bah, ça s'y prête bien, quoi. Par contre. Oh, un petit truc. Par contre, effectivement, pour le reste. Les let's play, etc. Comment faire? Il va falloir que j'y réfléchisse sérieusement parce que je peux pas tout gérer, quoi. Est-ce que je rediff juste certains streams? T'es pas obligé de faire une routine de stream, mais plutôt des streams quand on a envie. Bah, c'est ce que je fais, Lune de Cristal en soi. Le truc, c'est que j'ai envie tout le temps. C'est ça le piège. Alors, attends, je ne rebouche pas le trou. Je ne rebouche pas le trou cette fois-ci. Hop. 10 000 clochettes. Enterrées. Voilà. Là, je l'ai fait. C'est bien. Hop. T'épuises pas, prends soin de toi. Oh non, arrête pas, je pourrais pas vivre sans Idols. Mais non, je compte pas arrêter, c'est pour ça. YouTube, ça s'y prête bien. Hein. Après, c'est vrai que je pourrais tourner ici. Ça, c'est un truc que j'y pense. C'est un truc que j'y pense. Pas, genre, tout ce qui est let's play, les tourner sur Twitch et les mettre simplement en rediff sur YouTube. C'est un truc qui est possible. Comme je fais sur ma chaîne de rediff, en fait, sauf qu'il y en aurait certains qui seraient sur ma chaîne principale. Mais. Si tu voudrais de nouveaux émotes, ça me ferait plaisir de te les dessiner. Bah, art nouveau, pourquoi pas, faut voir ce que tu proposes, hein. En soi, c'est pareil, il faudrait que je refasse des trucs et tout, enfin. Attends, j'ai toutes les fleurs, là. Là, ça y est, là, il y a toutes les fleurs qui sont pas symétriques, ça m'énerve. Salut, je viens d'arriver. Bienvenue, Myosatis. Donc, ouais, voilà, c'est. Après, je connais une chaîne YouTube qui fait pas forcément autant de vidéos que toi, pas énormément de montage, donc ça va, et qui fait parfois des let's play, comme tu dis, en live. Faut que je réfléchisse. Oh, c'est cool, Lune de Cristal! Bon, après, la flemme, un peu, hein, en vrai. C'est vrai que ça peut être cool, les let's play Twitch. Bah, c'est ce que je fais sur la chaîne secondaire. Mais après, chaîne secondaire, vous êtes 7 000 dessus, tu vois, ça a rien à voir avec la chaîne YouTube. Donc, fatalement, il y a moins de gens dessus, il y a moins de gens au courant, enfin. Pour les gros let's play, genre c'est compliqué. Courage Thibaut pour les fleurs. Oui, parce que là, il y a de quoi faire. Hein. Là, les fleurs, elles ont fait les faux folles, là, en 3 jours. Hein. Elles m'ont poussé des copines partout. Ça ne va pas du tout. Tu préfères YouTube ou Twitch? C'est pas pareil. C'est pas pareil. Genre, j'aime les deux plateformes, mais pour des choses différentes. YouTube, j'aime beaucoup bah, pour les concepts que j'ai dit plus tôt, par exemple. Je me verrais pas faire un update lecture ici. Enfin, je pourrais en soi, hein, mais. Compliqué quand même. Et pas du tout de montage. Ouais, bah non. En fait, j'avoue que le montage me prend un temps énorme. Et ça m'éclate pour certaines vidéos. Mais pour d'autres, c'est compliqué, quoi. Est-ce que j'ai des tulipes? J'ai des tulipes. Mais pourquoi j'ai une tulipe orange? Ah oui, mais en fait, t'es pas censé être là non plus, toi. C'est quoi cette débandade de tulipes, là, de fleurs? Ah! Non, pas le... C'est ça que je veux. Non, pas toi! Remets-toi donc! Hop. Le chemin de pierre, c'était un motif en fait. Je prends mes fleurs. Au pire, prends un monteur. Oui, tu sais, le monteur, faut le payer. Hein. Genre, je veux pas dire, mais c'est 1 000 balles un monteur. Hein. Après, j'avais bossé de temps en temps avec des potes, dont Sano d'ailleurs, hein, qui me faisait des montages et que je payais, on va dire, au montage. Et on s'était mis d'accord sur un prix que je pouvais payer parce que je pouvais pas payer 1 000 balles. En fait, j'ai pas la thune, clairement pas, pour payer un monteur, quoi. Donc, compliqué. Au pire, tu sors que 2 vidéos par semaine, nous on veut ton bien. Mais vous comprenez pas, en fait, c'est pas le problème. Enfin, il n'y a pas le problème de l'envie.
Parce qu'en soi, je pourrais sortir une vidéo par jour, plus un live par jour, sans problème, plus deux lives par jour. J'ai tout le temps envie d'être avec vous, tout le temps envie de partager des choses. C'est pas la quantité le problème, c'est le, moi, comment je le gère derrière. C'est ça qui est... J'ai du mal... En fait, là, franchement, vous me dites de moins sortir de vidéos, je saurais pas lesquelles je vire. J'aime vraiment tout ce que je sors. Je sais pas comment je ferais, tu vois, pour choisir. Est-ce que j'ai déjà assez... Oui, j'en ai. Je suis sur YouTube depuis un amour sucré et j'ai connu ta chaîne Twitch depuis qu'une semaine. Ah bah en même temps, ça fait que 3 semaines que je l'ai, hein. C'est très récent, ma chaîne Twitch. Hop. On va les replanter ici, évidemment. Évidemment! Alors lui, je vais le virer aussi parce qu'il sert à rien. Hop. Tu peux pas quitter tes choup-choups. Non, mais en vrai, j'adore vraiment ce que je fais. C'est ça le truc. C'est le piège un peu. C'est que justement, j'adore, donc j'ai pas l'impression de travailler. Donc du coup, bah, j'y passe masse de temps. Et en ce moment, en plus, on a les candidatures modo. Enfin, on a tellement de taf. C'est vraiment considérable, quoi. Et bon, après, là, je me dis, c'est une phase, tu vois, c'est une semaine. Mais bon. 1000 balles, ça tue. T'es con, petit tati. Parce que c'est des balles, lolilol. Oui, c'est vrai, c'était rigolo, c'était rigolo. Empocher, du coup, ça. Mon petit arrosoir. Zoup. Quand t'as eu Twitch, j'ai eu peur que tu arrêtes YouTube. Ah non, 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 mais YouTube, j'arrêterai pas. Après, il faudrait que je voie pour ou rarifier ou mieux m'organiser par rapport aux vidéos, quoi. Genre là, typiquement, ce matin... Le fait qu'il y ait la vidéo, bon même si on a mis le truc en place pour rigoler là de la petite phrase à mettre en commentaire et tout, mais typiquement je me tire une balle dans le pied toute seule en fait. Genre je sors une vidéo à 9h30, je fais un stream à 10h30, forcément les gens, enfin ceux qui sont fidèles on va dire, ils ont pas le temps de la voir la vidéo. C'est obvious. Mais j'avais envie de streamer et j'avais pas envie de me frustrer donc du coup je l'ai fait, mais c'est contre moi en fait. Je vais forcément faire moins de vues tu vois, en termes de visionnage. Donc ça c'est un peu bébête. Hop. C'est ça le truc, c'est qu'à un moment, c'est pas forcément compatible si j'en fais trop partout. T'as un arbre à clochette qui a poussé. J'ai vu, t'inquiète. T'inquiète pas, j'ai vu. Tchouk. Là, je récupère toutes mes fleurs en trop. On peut regarder ta vidéo après, t'inquiète pas. Oui, Cory, bah c'est ce que mes modos m'ont dit hier, en fait, quand je leur ai parlé de ça. Quand je leur ai dit ça, ils m'ont dit, mais justement, ceux qui sont sur Twitch, ils sont fidèles, entre guillemets, donc ils vont voir la vidéo après. Et oui, c'est vrai. Mais bon, c'est pas évident. L'avantage de Twitch, c'est qu'on peut parler avec toi et que c'est agréable. Ben c'est ça. Moi, c'est ça que j'adore. Hein. Pour le moment, Eldaria, je continue sur YouTube. Parce que bah, j'ai les sponsors YouTube aussi, puis j'ai ceux qui ont leurs habitudes, qui ont pas Twitch. J'ai pas envie de pénaliser qui que ce soit, quoi. Mais de toute façon, c'est comme mes let's play en cours. En soi, j'ai commencé sur YouTube, je vais finir sur YouTube. Ce serait éventuellement pour après que je ferai ce que j'ai l'idée. La vidéo est là, de toute manière, on peut la regarder après ton stream, c'est aussi bien. C'est ça, c'est ce que m'ont dit les filles. Et c'est vrai, en soi. C'est juste que, bon, tu sais, tu te fais vite des... Tu dis que... Enfin, moi, perso, je me dis que les gens, ils vont être saoulés, tu vois. Genre, en gros, ils vont choisir l'un ou l'autre. Parce que j'ai tout pas envie de voir ma tête tout le temps, tu vois. Je peux comprendre aussi, hein. On en a parlé 20 minutes pour la convaincre. Oui, où est-elle, c'est vrai. Après, je pense que les filles étaient un peu pas objectives aussi, parce qu'elles avaient très envie de voir Animal Crossing, vu qu'elles bossent en semaine. Donc il y avait un petit peu de... Ouais, mais moi j'ai envie d'être là pour un stream quand même, tu vois. Ouais, ben vous êtes plein à regarder en décalé en plus. C'est ce que me disaient les filles aussi. Vous êtes plein à regarder pas au moment où elle sort la vidéo. Genre pour le déjeuner ou... Tu vois. Donc en soi... on adore voir ta tête tout le temps. Oh, vous êtes mignon. Vous êtes mignon. Tu sais que t'es pas obligé de creuser pour planter tes fleurs. Je sais, Marie... Marie quoi? Marie Msne, vos noms quoi. Je sais, mais j'aime bien, ça me sécurise. Je sais où elle va, tu vois. Hop. Tu sais, c'est pas un problème, si on est là, c'est qu'on le veut bien. Oui, je sais, mais tu vois... J'ai pas une confiance en moi extraordinaire, donc... voix qui ne peut expliquer. Tu es magnifique comme ma chérie. En plus, tu l'es vraiment... Oh, merci les touches. T'es un mec ou pas les touches? Savoir si tu fais vraiment pervers pépère en fait ou tu vois, genre, parce que ton pseudo, bon, heureusement qu'on dit les touches, tu vois, parce que sinon tu sais ce que j'en pense, hein, mais du coup que je sache, tu vois, comment me positionner, enfin sans jeu de mots chelou. Justement, mon chéri disait que tu étais partout en ce moment. Bah Alex, clairement, bah oui, parce que
Mes vidéos, j'ai pas changé de rythme du tout, et les streams, il y en a deux par jour, donc clairement, vous voyez ma tronche non-stop, hein. Pourquoi choisir la vidéo? On la regarde quand on veut, et puis j'aime bien ta tête. Oui. On se lasse pas du tout, ton contenu est super varié. Wow, c'est gentil, Céline. C'est gentil. Après, ça m'amuse de ouf. En fait, c'est ça le truc, c'est que j'aime tellement de choses dans la vie, j'aime tellement de trucs que j'adore tout partager avec vous, quoi. J'aime bien voir ta tête tout le temps, ça me permet de moins m'ennuyer dans mes journées vides. on va mettre celle-là. Je replante mes fleurs. C'est une activité passionnante. En vrai, j'aime bien. Ça détend. De toute façon, ce jeu détend. Hein. T'es une personne géniale et j'aime beaucoup ce que tu fais. Je parle pas beaucoup, mais je tenais à te dire ça. Oh, merci, petit être. Pourtant, ton pseudo me dit quelque chose. Peut-être parce que petit être, c'est pas très courant. C'est possible. Après, c'est parce qu'on le veut bien te voir partout. C'est pour ça qu'il faut se dire. Ouais, c'est sûr. Ah, les touches, une jeune demoiselle, je m'appelle Laetitia. Oh, c'est original, ça s'écrit comme ça? J'ai jamais vu Laetitia écrit comme ça. Ah bah écoute, donc du coup, t'es pas un pervers pépère, t'es une perverse pépère. C'est pareil, hein, en soi, mais au moins je sais. Ouais, l'hibou, c'est sûr. Bah il y a ça aussi, je sais que... en fait, il y a eu le confinement, où j'avais pas Twitch d'ailleurs. J'ai loupé la période de ma vie, quoi. Et là, maintenant, c'est un peu mi-confinement, mi-vacances, c'est un peu chocheux. Donc en soi, c'est aussi pour ça qu'il y a autant de trucs. Mais en vrai, je pense que même s'il n'y avait pas le confinement ou les vacances... On voit que t'es naturel et que tu prends beaucoup de plaisir, ça aide beaucoup de personnes. Bah tant mieux, Maëlys. C'est bon signe que t'aies envie de faire autant de choses et que c'est que ça te plaît vraiment. Juste, on n'a pas envie que tu te fatigues trop. Bah je comprends, Oshio, moi aussi en fait. Moi aussi, j'ai clairement pas envie de me fatiguer. Mais en vrai, ça va. Je suis pas fatiguée de ouf. Je sais pas comment ça se fait d'ailleurs. Parce que je passe quand même vachement de temps. Coucou, comment vas-tu en ce bon matin? Et perso, je sais que je pourrais te regarder H24, MDR, mais bon, tu fatigues, donc j'avoue, un live de 3h, c'est peut-être long pour toi. Ouais, Zafiro, clairement. Comment tu vas, ma belle? Perverse pépère. C'est sympa, perverse pépère. C'est une bonne... c'est une bonne mission, tu vois. J'ai vu qu'il y avait le truc là-bas. On va y aller direct. Ah, elle a toujours les chaussures. Vas-y, je récupère la chaussure aussi. On va pas polluer ma propre plage, quand même. Ce serait quand même ballot. Ce serait quand même ballot. Hop. Mes petites fleurs qui sont là. Je vais peut-être en mettre d'autres ici. Oula! Surtout que ceux de Twitch ne sont pas forcément au courant pour YouTube. Moi, perso, j'ai réussi à avoir le let's play puis le stream et c'est agréable de passer la matinée avec toi, Thibou. Et puis, chacun choisit son propre temps pour te voir. Ça n'a pas à t'impacter. Toi, faut que tu suives tes envies selon les semaines. Attends. S'il y a moins de YouTube ou moins de stream, c'est selon tes envies. Et oui, toi, comme les choupchoups, on a plus de temps. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Ça veut dire que tant que ça te plaît et que tu te sens bien, c'est le principal. Mais je me sens bien de ouf. J'adore. Mais c'est juste que je me dis... ben voilà, je lève le pied un moment, quoi. Un moment, quand même. Même si là, j'avoue que j'ai pas envie. C'est le cercle vicieux, un peu. Hein. Hop, on avance pour les fleurs, hein, dis donc. Alors, un cocotier. Bah tiens, je vais le planter là, mon cocotier. Est-ce qu'il va pousser, ici? T'as commencé à jouer quand? Il est 11h15. À 10h30. Ça va, je suis bien, hein, niveau timing. C'est pas mal. Et j'ai encore 4 fleurs, 5 fleurs à planter. Quand même. T'as fait beaucoup de fleurs. Ah, mais là, c'est le bordel pour planter ici. Là, c'est... C'est Beyrouth un peu, hein. Hop. Ah, Mimi s'est connectée. Fais selon ton impression, mais te pousse pas tes limites. Je sais pas si c'est ça l'expression. Je suis pas sûre que ce soit la vraie expression kiwiz, mais j'ai compris l'idée, t'inquiète. Si tu te laisses un jour, je serai tristoun, oppression de ma mère, mais on respectera évidemment. Si tu te lasses un jour, peut-être. Tu veux dire, parce que si tu te laisses un jour, ça me semble un peu extrême. Mais oui, bien sûr, bah de toute façon, si je me lasse, je ferai pas. Hein. Je suis pas capable de me forcer en vrai. Hein. Je suis pas capable. Je suis très capricieuse comme fille. Faut pas me faire chier, tu vois. Donc si ça m'emmerde, je fais pas. Mais c'est juste que je m'éclate, quoi. J'en parlais avec Kim ce matin, justement. Je lui ai dit, ouais, ça va, parce que bon, on est quand même en couple, tu vois. Et je lui ai dit, ouais, ça va, pour toi, ça t'emmerde pas que je sois autant occupée et tout. Il me dit, bah franchement, t'as l'air de bien vivre et tout, donc tant que ça t'amuse, il faut juste pas que tu te forces, quoi. Faut pas que tu tombes dans le piège, ils attendent, donc j'y vais. Ça, c'est clair. Une couronne de branches, cool. Je pourrais utiliser mes milliers de branches. Il y a un grand nombre de personnes pour qui Thibaut est la personne qu'ils idéalisent et que Thibaut soit leur sauveuse dans les moments difficiles, mais pour moi, c'est juste que j'adore la bonne humeur que tu dégages. Oh, c'est gentil, petit Tifou. Bah, c'est très bien, hein, en soi. Hein. C'est très très bien comme façon de me voir. Hein. Ça me va extrêmement bien, même. Attends, je vais boire un peu.
J'ai soif. Oh mon dieu, je suis morte de rire la tête de ta fifi quand elle a creusé dans l'eau. Ouais, ils font des tronches. Hein. Je pense que ça se voit dans ce que tu fais, que t'aimes ça. T'as toujours une aura géniale, un sourire vraiment ensoleillé. Ah bah oui, je m'éclate, hein. Sweetie, c'est surtout qu'on s'inquiète pour toi niveau fatigue ou même vie personnelle en dehors des streams et des vidéos. Pas privilégier ta vie pro à ta vie perso. Enfin, tu fais ce que tu veux, mais oui, surtout ne pas te forcer, surtout faire comme tu le sens. Mais en fait, c'est ça qui m'a fait tiquer tout à l'heure. C'est que là, je suis encore en mode confinement. C'est-à-dire que, bah, de toute façon, après, moi, mes potes, ils habitent pas à côté, donc. Mais c'est vrai que typiquement, j'ai pas de truc. Enfin, le ciné n'a pas rouvert. En gros, là, actuellement, dans mes journées, j'ai une demi-après-midi pour déconnecter. En gros. Dans l'idéal... Oh, j'aime bien ce papillon. Dans l'idéal, j'ai entre midi et 16h. Entre midi et 16h, je ne stream pas, déjà. Sauf que dans la vraie vie, bah, je tourne une vidéo en général, donc c'est pas trop long, on va dire c'est de midi à 13h. Et après, bah, j'ai du coup de 13h à 16h30, quoi. Et après, j'ai la soirée. Mais c'est pareil, en vrai, il y a la réu avec les modos, il y a plein de trucs à faire, tu vois. Donc, mais rien m'emmerde. Rien m'emmerde, donc... J'ai pas réussi à avoir le papillon. La tristesse. C'est ça. En fait, alors c'est pareil, le truc, j'ai enlevé la contrepartie VIP par exemple. Et on a changé aussi en fonctionnement avec les modos hier soir pour simplifier un peu les choses pour elle. Il faut que j'arrive à moins me prendre la tête. Alors pareil, un truc qu'il va falloir que je fasse attention, les mails pour les choupes divins sur YouTube. Pour ceux qui savent pas, en gros sur YouTube, si vous me sponsorisez pour 10€, vous avez un mail personnalisé de ma part. Mais quand je dis un mail personnalisé, c'est pas genre 3 lignes, tu vois, je vous fais une putain de pavasse. Et ça me prend un temps. Mais un temps, parce qu'au début, quand j'ai lancé ce truc-là, j'avais 20 choupes divins. Donc 20 choupes divins, tu vois, c'est cool. En gros, sur un mois, je fais même pas un mail par jour, ça passe, tu vois. Le problème, c'est que là, j'en ai 60. Et c'est génial, c'est super gentil. Mais le problème, c'est que comment je fais? Je peux pas. Je peux pas, quoi. Donc ça, par exemple, ça me prend un temps colossal sur le mois. Et ça, il va falloir trouver une solution. Il va vraiment falloir. C'est les pêches que j'ai ici ou c'est plus haut? Je me rappelle plus. Je vais les mettre là. Je sais plus si c'est là ou plus haut. Il faudrait des jours beaucoup plus longs, comme ça t'as le temps de tout faire. Mais c'est exactement ça en fait. Il y a trop de... Alors c'est pareil, mon bouquin, je suis en train de lire un livre qui est super intéressant, mais j'ai très peu de temps en vrai. Donc Coucou, je viens de découvrir ton live, tu stream depuis longtemps. Je parle de ton activité en général. Marie Oignon, bienvenue. J'aime bien ton pseudo, on dirait Oignon dedans, c'est marrant. Je stream depuis 3 semaines, mais j'ai une chaîne YouTube depuis des années maintenant. En tout cas, je vais pas juste ici pour te dire que tes lives et vidéos, je les regarde très souvent, même les rediffs sont agréables à regarder. En tout cas, à chaque problème, sa solution. Merci Ayaz, c'est vrai. Après, tu sais, si parfois tu fais qu'un live dans la journée, ou même si t'en fais pas du tout, bah c'est pas grave. Ah oui, non mais... Alors, le truc, vraiment, si je stream 2 fois par jour, c'est pas parce que je me dis « Oh là là, ils attendent que je le fasse. » J'en ai vraiment envie. Et en vrai, si je pouvais le faire plus, je le ferais parce que je m'éclate avec vous. Si je pouvais faire en plus un stream le soir, genre pour parler avec vous, un truc de lecture, mais j'adore les streams. Je m'éclate comme rarement. Et je me suis rendu compte, et vous êtes d'ailleurs nombreux à me l'avoir fait remarquer aussi, que du coup, mes vidéos sont grave plus épanouies aussi. J'ai un gros lâcher prise en vidéo, en fait, maintenant, depuis que je stream. Que j'avais pas forcément avant. Alors déjà, je m'amusais avant, mais là, maintenant, je suis en roue libre, tu vois. Coucou Lindro, comment tu vas, ma belle? Alors, j'ai vu qu'il y avait un message en surbrillant, je vais essayer de remonter pour le voir, je pêche juste mon poisson d'abord. Hop. Voyons, t'as pas besoin d'arroser l'arbre, ouais, je sais, mais ça me stresse. Coucou Thibaut, je t'avoue quelque chose, je t'adore, ta bonne humeur et joie de vivre, on te le dit souvent, mais c'est vraiment très agréable et super contagieux. Mais s'il te plaît, arrête de dire ok, car à chaque fois t'actives mon Google et ça coupe ton live, c'est horrible. MDR, c'est rien, t'inquiète, mais franchement, trop pas la tête, fais juste attention à ta santé et repose-toi. Merci Kiwiz. Ouais, je sais, le ok Google, il est très chiant. Il est très chiant. Moi, je l'ai désactivé sur mon téléphone à cause de ça. Ça s'activait non-stop. Et on a eu un bar, c'est génial. C'est trop cool. Notamment sur Eldaria, le lâcher prise. Ouais, mais entre autres, mais pas que, tu vois, genre... Enfin, c'est tout bête, mais la vidéo unboxing que j'ai faite, c'était quand? Où j'avais reçu un colis Abby Style. Merci Malindrox, c'est adorable. J'avais reçu un colis Abby Style et du coup, j'ai fait une vidéo opening, en fait, tout simplement, hein, ouverture de colis. Mais je me suis marrée de ouf en le faisant, et même au montage, et du coup, la vidéo est vachement fun, en toute modestie, tu vois, mais elle est plus fun que ce que je faisais avant, même si avant, c'était sympa aussi. Et pareil pour la box cube que j'ai ouvert hier. Et bah là, je suis en cours de montage et je m'éclate. Enfin, je savoure plus, en fait. Je sais pas pourquoi spécialement, mais... Ouais, l'open box, c'est ça, Junechun.
Mais du coup, j'ai quoi à planter? J'ai encore deux fleurs et deux arbres. Alors, Ah, je peux peut-être le foutre là. Dernier. Ouais, il va pas pousser là, je pense pas. On va essayer. On va essayer de trouver une place. On va essayer. Là, il faut que j'aie la pelle. C'est vrai, il faut la pelle. Pour les choux divins faits en alternance. Bah, c'est compliqué. Ah, plume rêveuse. Mais attends, mais j'ai trop hâte de vous faire le prochain objet de lecture. Prochaine objet de lecture, c'est des livres tellement intéressants que j'ai découvert. Ça va pas être demain parce que justement j'ai peu de temps pour lire. Enfin, je prends pas le temps, c'est plutôt ça, mais. Tant que t'es heureuse et épanouie dans ce que tu fais, c'est le plus important. Oui, je suis bien d'accord. Mais par exemple, voilà, typiquement les choux divins, je suis emmerdée. Parce que, en plus, j'adore parce que les échanges de mails que j'ai avec les gens, j'ai découvert des personnes super cool. Enfin. Genre, j'ai vraiment une belle complicité avec certains maintenant, tu vois. On déconne bien et tout. J'adore ce côté-là, mais ça me prend un temps. Ça, faudrait que je trouve une autre chose, j'avoue, parce que je vais craquer. Pour le coup, là, par exemple, j'ai pas commencé et j'en ai 55, je crois, à envoyer ce mois-ci. On est le 6. Je vais en faire 10 par jour à un moment. Non, mais c'est ça. Je sais pas comment je vais. Les choux divins, c'est le truc qui m'angoisse un peu. Limite, ça m'angoisse, en fait, j'avoue. Parce que je sais que les gens l'attendent et c'est normal, et moi ça me fait plaisir de le faire, mais le temps encore une fois quoi, c'est compliqué. Le problème c'est que beaucoup de personnes vont ou sont retournées à l'école, et beaucoup de choup-choups dont moi sont à l'école, collège ou lycée, voire même études supérieures, tu n'as pas peur qu'il y ait moins de monde? En fait Alexa, je m'en fiche. Franchement je fais pas ça pour qu'il y ait du... En vrai, je voudrais qu'il y ait du monde, je les ferai tard le soir, hein. Enfin je les ferai à 21h, mes streams. Si je veux qu'il y ait vraiment du monde. Ou 18h. En fait, je les fais en journée parce que j'ai envie et que j'ai le temps. Mais je pourrais clairement les faire. Si c'était le monde que je disais, tu vois, ça serait clairement pas le bon plan. Hein. Ça fait plaisir de te voir en live. Merci beaucoup, la killeuse. Le surmenage, c'est le problème de tout passionné. À la fin de chaque semaine, je suis au bord du burn-out, de fatigue, même si je suis heureuse d'avoir appris tout ce que j'apprends. Virginie, mais clairement. Clairement, clairement. Alors arrête les choups divins, il faut te reposer. Bah ouais, mais c'est compliqué. En fait, c'est comme pour les poucas. C'est le piège. En fait, c'est que j'ai des idées qui sont bonnes, tu vois, et j'ai envie d'aller au bout des choses et de faire les choses bien. Mais je me rends pas compte que ça me prend du temps et que vous êtes nombreux et que du coup, c'est compliqué. Genre les poucas, par exemple, j'avais proposé une contrepartie de VIP. Et en fait, c'était... Enfin, c'est vous qui m'avez fait me dire, ouais, bah attends, ça va être chiant pour toi, meuf, parce que tu vas devoir, en gros, tenir à jour le truc tout le temps. Ça va te prendre un temps de ouf. Et c'est vrai, du coup j'ai viré la contrepartie, mais c'est vous qui avez dû me faire la remarque, quoi. Parce que de moi-même, je me dis, ouais, mais ils vont être contents, tu vois. J'ai envie de tout le temps faire plaisir et de m'investir avec vous. Et je le fais, tu vois, mais j'ai envie de le faire plus. C'est... Ah, Roxy, bah tant mieux, j'ai hâte de le lire. Tu verras les livres que j'ai reçus là. Oh, il y a un objet! Bah attends. Mais... Il y avait un objet! Ah, il est tombé hier, je l'ai même pas vu! Une armoire! Trop bien! J'aime bien ce genre de surprise, c'est sympathique. Fais des concepts qui te plaisent, c'est super, mais te force pas trop loin non plus, Boudiou. Mais le nombre de concepts de vidéos que t'as déjà sur ta chaîne, en vrai, c'est impressionnant. T'as déjà de nombreux concepts géniaux, si tu fais des pauses sur certains, on t'en voudra pas. C'est pas les concepts. En vrai, franchement, les vidéos. Si j'avais que les vidéos et les streams, en vrai, ça passe. Si tu m'enlèves les paperasses, les mails, ça me prend un temps astronomique. Sans compter le choupe défi. Parce que ça, c'est pareil. Je vous défie, j'adore le concept. Et mes modos m'aident de dingue. Mais c'est énorme. Le temps que je prends à regarder chaque participation, à trier, à choisir. Mais ça va parce que c'est une fois par mois. Donc en gros, j'ai 3 jours où je sais que je vais en chier à la fin. Et encore, je trie petit à petit. Mais 3 jours de fin où il faut organiser le diapo, tu vois. Mais les choupes divins, c'est le plus dur. Choupes divins, c'est vraiment. C'est sur le mois entier où je dois m'organiser, en fait. Et j'ai pas le temps. J'ai clairement pas le temps, quoi. Donc ça, il va falloir, je pense, que j'arrête. Mais ça me fait chier, tu vois. Parce que j'aime ça et que je trouvais ça cool comme contrepartie. Enfin, faut que je vois. Ou que je trouve autre chose pour remplacer, mais quoi, qui soit aussi satisfaisant. Je sais pas. Fais un clone de toi, grave. Pour les choupes divins, au pire, tu les divises en 2 groupes et tu fais un mois un groupe dont les choupes divins ont un mail, 1 mois sur 2. Ouais, mais Chloé, rien que ça, c'est chiant. Genre, me rappeler qui est dans quel groupe. Parce que ça change tout le temps. YouTube aide pas non plus à retrouver les gens. Hein. YouTube, le classement de YouTube pour les sponsors est très très chiant. Hein. Mais non, pas du tout, Iloku, pas du tout. T'es pas notre service non plus, alors oui, ça... Attends, j'ai pas vu.
Alors oui, ça nous fait plaisir, mais si tu commences à te surmener, à te lancer dans beaucoup trop de choses avec un temps que tu ne vas pas tenir. Bah, c'est ça, Luxus, qui me fait un peu peur. Ouais, mais après, pour les... Prends plus de modos pour t'aider. Mais mes modos m'aident déjà vachement. En soi, je pense que le nombre est... De toute façon, on en recrute d'autres, là, en ce moment. Donc, en soi, ça, je pense que ça va être bon. Mais... C'est l'ensemble, quoi. C'est les choupes divins, il n'y a que moi qui peux le faire. Puisque c'est moi qui réponds aux gens. J'ai des conversations avec les gens en privé, si tu veux. Donc, mes modos, ils peuvent pas m'aider à faire ça. Oui, c'est ça, vous faites pas les mails divins. Bah oui, c'est perso comme truc, tu vois. Donc, compliqué. Pour les modos, ce sera la semaine prochaine. On annoncera ça la semaine prochaine. Là, les candidatures sont finies, ou elles finissent ce soir, je sais plus. Mais on mettra à jour... du coup, on a la semaine pour décider, enfin pour réfléchir chacune de notre côté. On fait un point vendredi prochain entre nous, on discute longtemps et on choisit. Tu m'étonnes, Titifou, t'as un humour. J'ai déjà remarqué que ça, tu fais des blagues. Hein, tu les recherches... Ah, c'est un gros niveau de blague, hein. Oui, les sous-sous. Des sous-sous. Des sous-sous. Alors, le caillou... Le caillou. Change pas, Thibaut, reste comme t'es. Si tu dois arrêter les choux divins, on comprend. C'est ce que j'adore chez toi, tu prends le temps de parler à beaucoup de monde. Bah oui, j'adore faire ça. C'est ça qui est frustrant. Mais les choux divins, c'est pareil. Ils me donnent 10 balles par mois pour m'aider. Je trouve ça normal, tu vois, qu'ils aient une belle contrepartie et un lien avec moi. Mais il y en a trop maintenant, quoi. Ah non, j'ai plus de pelle, non. Combien de nouveaux modos comptes-tu prendre? Merci, Jade, pour ton petit message. Et je vais bien, je te remercie, il est beau chez moi aussi. On sait pas encore pour les nouveaux modos. Pas 15, hein, mais on verra au feeling, en fait, de ce qu'on arrive à décider ensemble. Si tu veux te reposer, arrête cette activité démoniaque du puzzle. Mais non, j'adore le puzzle. Le puzzle, c'est ce qui me détend. C'est au contraire, je vais pas l'arrêter. Ça va pas. C'est mon petit moment de détente de la journée, le puzzle. Attends, faut que je refasse la pioche. Sinon, tu pourrais embaucher un monteur ou une personne du genre, comme ça, t'as plus de temps. Mais j'ai pas la thune, en fait. J'ai pas la thune pour embaucher un monteur. Clairement pas. On est quand même des choup-choup géniaux à s'inquiéter pour toi comme ça. Ça va, Douxas? Tu vois les chevilles? Mais oui, vous êtes adorables. Ouais, non, c'est pas évident, Junichun. Oh, c'est mignon, ça. Mur vue tropique, j'aime bien. Alors, une pelle. Je peux pas la faire? Ah, j'ai pas de bois, putain. Sans déconner. J'en ai plein dans le stock, mais bon, je vais en reprendre. Oui, je sais, je suis exceptionnelle. Bah oui, petite Tifou, évidemment. Évidemment. Allez, du bois. J'ai la chanson de la sorcière dans la tête, elle passe pas. Hein. Hop. 2, 3. Zoup. 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 Ah, je pourrais prendre les papillons. Ouais, mais là, il me faut du bois. Je peux pas être partout. Hein. Les papillons, c'est bien, mais le bois, c'est mieux. Tchouk. Tchouk. Comment tu fais pour live Animal Crossing alors que c'est sur Twitch? T'as un truc... Bah, faut regarder sur le net, mais t'as un truc, c'est Avermedia. C'est 100 balles, à peu près, et ça permet de capturer la boîte. Tel Thibaut, tel Choup Choup avec les chevilles. Nolan, effectivement, j'avoue. J'avoue. Les chiens font pas des chats. Oui, t'es mignonne, Azafiro. Oui, moi, je dis Azafiro. Je suis rebelle. Je suis à combien de bois? 8, c'est bon. Ouais, je peux faire ma pelle. En vrai, je sors du sujet sérieux, mais ça fait plusieurs fois que Thibaut me lit et me répond. Je suis tellement joie, je vais fondre en grosse flaque. Va, June et Shun, vas-y, une fois de plus. Les touches, il y a des candidatures pour devenir modo. Et bah, je sens qu'il y en a qui seront contents. Et pour tes montages, t'as quelqu'un qui pourrait le faire free pour toi. Non, mais c'est moi qui veux pas, en fait. Il y en a des fois qui me proposent, mais pour moi, c'est un peu comme les miniatures ou quoi. Pas les miniatures, pardon, les bannières ou choses comme ça. Pour moi, c'est du travail, donc faut que je le paye. Ça me paraît normal, quoi. Donc, c'est pour ça que je le prends pas gratuit. Je trouve que ça serait de l'exploitation, tu vois. Je trouve ça vraiment cool que tu sois aussi transparente avec nous. Merci beaucoup pour ça. Si tu veux ou t'as besoin de repos, tu peux faire des streams une semaine sur deux. Bon courage. Mais non, j'ai pas envie, Chloé. J'ai pas envie. Je m'amuse. Tu vois, je m'amuse beaucoup. On n'a pas de Discord en lien. Bah si. Normalement, vous l'avez. Ah oui, ça rentre pas. Okay. Alors attends, on va aller payer le crédit. Attends, il y a tellement de choses à faire encore là. On va aller payer le crédit déjà. Parce que là, du coup, j'ai récupéré ma pelle. Ou quoique, attends, on va peut-être d'abord finir...
peut-être finir le truc. Comment tu vas, toi, petite chatoune? Bonjour, j'ai ouvert les yeux plus tôt que d'habitude ce matin. Maintenant, il me faut un café. Vas-y, parle-moi d'un truc. C'est malin, j'ai plus de voix. J'ai essayé de chanter un peu façon heavy metal. Bah, ça m'a pas réussi, hein. Fini le métal, je retourne aux paillettes et au laser. T'as raison, meuf, c'est bien aussi. Même si heavy metal, c'est très cool, hein, mais... Non. Oh, au secours, allez. Des cailloux, oh, je voulais de l'argent. De l'argent, des clochettes. Hop. 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 Des chouchous, des pierrous. Zoup. Zoup. Et zoup. Non mais c'est... Non mais j'ai... En fait, vous vous rendez pas compte. Je sais pas, vous imaginez peut-être que YouTube, ça paye de ouf. Mais en fait, là, avec le... C'était le cas, enfin c'était le cas. Ça payait bien avant, mais là, avec le Covid, ça paye que dalle. Ça paye vraiment que dalle. C'est comme si on était en mois de janvier depuis 2 mois, en fait. C'est... J'ai... Et puis même en temps normal, j'ai pas assez de thunes pour avoir un monteur. Je suis pas en auto-entreprise, je suis en micro-entreprise. Ah oui, un objet! Un panneau, ok. Alors qu'est-ce que tu me veux, toi? Rien que de te voir courir dans tous les sens, je suis fatiguée. Bon, qu'est-ce que je pourrais bien faire aujourd'hui? Je sens que je vais passer la journée à chercher une réponse. Eh ben, amuse-toi bien. Amuse-toi bien, mon grand. Des sous-sous. Tu connais City of Love Paris? Je pense que c'est un jeu qui pourrait te plaire. Ouais, je connais deux noms. J'ai jamais joué. Tu peux creuser une ligne de trous derrière toi pour éviter le repoussement quand tu tapes des cailloux et avoir plus de ressources. Je sais, Sweetie, mais j'arrive pas à creuser des lignes. Enfin, j'arrive pas à être droite et ça m'énerve. Du coup... Ah bah Saphira, c'était trop timide pour oser participer, t'as bien fait je pense. Parce que Modo, faut quand même être pas mal sur le devant de la scène, hein. Donc peut-être que plus tard tu seras prête pour une prochaine phase de candidature. Oh, j'ai eu trop de chance, j'ai trouvé mes meubles tout de suite. Alors là j'ai eu du bol, de ouf, hein. Trop bien. Bon, est-ce qu'il n'y a pas des fossiles? Parce qu'il y a ça aussi, pour le moment j'ai combien de fossiles? J'en ai 2, il me manque 3 fossiles. Est-ce que là il y a de l'or? Il y a des à boire, je pense que t'as pas vu. Ah, effectivement. Oh oui, Priya et Tammy Lidjane. Merci beaucoup. Hop. Tu vas faire tous les matins Animal Crossing? Bah, faudrait pas que je vous dise oui, mais en vrai, j'ai envie. Ah, ça fait du bien. Glou glou, exactement, Lindro. Tu connais Gris, c'est un jeu sur Twitch. Ouais, sur Switch. Bah, il est aussi sur Steam, hein. Je le connais. Alors, je suis désolée, je sais que ça va vous faire chier, hein, mais j'aime pas faire des trous. J'aime pas. Oh, c'est encore de l'argile. Moi, je veux de l'argent. Bah, voilà, j'ai raté. Bon, de toute façon, je m'en fous, j'ai trop d'argent. Enfin, j'ai trop d'argent, j'ai trop de cailloux. Trop de cailloux. Il me faut une fleur ici. Qu'est-ce que je vais mettre comme fleur? Ah, j'ai plus de fleurs. J'ai plus de fleurs. Ah, ouais. Ok. Je vais juste creuser le trou, comme ça elles arriveront. Le jour où tu m'as répondu, je retente ma chance. Quel est ton let's play préféré? Comment on fait pour être modo? Pour être modo, bah, est-ce que c'est fini les candidatures ou pas, les filles? Je me rappelle plus. Il reste combien de temps de candidature? Hop. Je sais pas si ça s'est fini hier soir ou aujourd'hui. Mais c'est exactement ça, Astromoon. Ça se finit ce soir. Ok, bah, actuellement, sur le serveur Discord... Il y a un formulaire pour être modo, si vous avez envie de l'être. Et on recrute en ce moment, et du coup, on vous donnera la semaine prochaine les dispos. Ce soir à 23h59. Merci, vous êtes balèze. Ma petite table de ping-pong. Tu pourrais, par exemple, avec des choup-choup majeurs qui viennent des choup-artistes, créer, je sais pas, une petite marque de vêtements à l'effigie de ton univers, et l'argent gagné pourrait être divisé entre les choup-choup artistes et toi. Je sais pas, c'est juste une idée. Alors, en soi, de toute façon, tu peux faire ça en achetant un logo, tout simplement. Tu payes un artiste pour qu'il te fasse un logo et tu fais des fringues. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire aussi un jour. Mais un jour. Clairement pas tout de suite. Hop. Tu peux me dire en gros le rôle de tes modos, s'il te plaît, Thibou. Bah, elles vont te répondre elles-mêmes, en fait. Je pense que ça me semble plus cohérent qu'elles te répondent elles-mêmes. Pour être modo, faut juste être incroyable. Je rigole parce qu'après elle dit comme moi quoi. Bah tiens, ça va la modestie? Ça va tranquille? Tchouk 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 tchouk.
Mais en fait, j'aime bien le côté Twitch aussi où t'as pas de montage forcément. Ça, c'est grave cool. Hein. Ça, le côté où genre c'est fini, c'est fini. Bon, après, je retransmets sur Twitch. Enfin, sur YouTube, hein, sur ma chaîne secondaire, mais. C'est pas un peu de la triche. Pas du tout, princesse, mais non. Ça les aide un peu, tu vois. C'est ta définition pour toi, tu vois. Genre, qu'est-ce que c'est pour toi être modo? Vous avez 4 heures. Enfin, il est quelle heure? Parce que 11h36. Oh, ça va! Ça va, je suis dans les temps. Je suis dans les temps. Pourquoi t'as eu 100 poucas d'un coup? Parce que des fois, il y a des bonus. Les fringues, c'est une bonne idée, je trouve. On pourrait t'aider. Ah, mais j'aimerais trop, genre, faire des t-shirts et tout avec Choup Choup marqué dessus. En convention, ça serait tellement classe. J'aimerais trop. Mais, faut le temps que je me renseigne là-dessus et tout. C'est pas demain, hein. Mais c'est un truc que je ferai un jour, je pense. Clairement. Être phénoménal. Voilà, princesse, c'est bien. Tu montres bien l'exemple niveau modestie, c'est cool. On est bien dedans. Il y a beaucoup de choux parties, il faut juste nous demander Matsibou. Bah non, parce que pour moi, ça se paye, en fait. Ça se paye. Alors après, les emojis, c'est un peu différent, parce que là, par exemple, les emojis qu'il y a sur Twitch et en réaction, vous savez, quand genre vous follow... Oui, follow d'ailleurs, si vous ne suivez pas encore la chaîne. C'est important, ça fait plaisir. Ou alors quand vous faites sub, ou etc., les trucs qui s'affichent, c'est des gens qui l'ont fait sur Discord et que, du coup, j'ai mis. C'est un peu des fanarts, si on peut dire. Enfin, c'est vous, tu vois. Mais c'était spontané, je l'ai pas demandé. Ce serait génial une marque de vêtements. Ouais, grave. Grave, grave, grave. Ah, un fossile, mes objectifs. J'ai plus beaucoup de place. Attention, ça me manquait de place. On peut plus envoyer de dons sur Twitch, obligé de sabot. Si tu peux avec les bytes, les bits. C'est ce qu'on fait, Sweetie Fox et les touches. Ma perverse pépère. Il y a des fleurs encore. Il y a encore des fleurs. Ah, j'ai plus de place. Non. Non. On va remettre en terre. Hein. Ah. Faudra que je revienne pour ça alors. Ouais, mais attends, j'ai trop de trucs. J'ai trop de bordel. Mais j'ai pas tous mes fossiles. Ah, il y en a un autre. Alors attends, faut que je libère un truc. On va poser le coquillage. Clairement, c'est pas prioritaire. Hop. T'es la meilleure youtubeuse de tous les temps. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai tous mes fossiles ou pas? 1, 2, 3, 4. Il m'en manque un. Nanana. 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 Ben voilà, les touches, par exemple. Il faut vendre pour faire des sous-sous. Exactement. Ouais, c'est ce que je fais. Exactement, voilà. Comme les touches a fait. Les touches, elle a fait un... C'est comme un super chat sur YouTube, si tu veux. En ressemblement. En ressemblement. J'invente des mots, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Plus de place pour Thibaut, c'est le moment de sacrifier des objets pour récupérer les fossiles. C'est ça, t'as bien saisi le concept. C'est quoi cet après-midi? Il y aura le zoo cet après-midi. Mais encore une fois, je ne sais pas exactement l'heure encore. Parce que je ne sais pas, Flume m'a pas répondu, il y aura une aventure sur le Discord cet après-midi. Et elle m'a pas répondu sur l'heure qu'elle voulait faire. Donc ça m'arrangerait bien de pouvoir faire le stream à 16h30. Mais je pense que je vais devoir le faire début d'après-midi. Je pense. On est 7174. Hey, on se rapproche de l'objectif pour envahir Buko. Va-t-on envahir Buko un jour? Les paris sont ouverts. Oh, ça c'est bien, il faut le prendre apparemment pour choper des trucs. Mais j'ai plus de place. J'ai plus de place, je suis au courant. Hop. Échanger. Tu pourras mettre sur Insta quand tu fais le zoo. Ouais, je vous tiendrai au jus. No problem. Il y a des fleurs encore hein, qui sont pas au bon endroit. Hein. Ça ne va pas, ça. Hein. Oh là là, il y a trop de fleurs qui sont pas au bon endroit, même. Ça m'oppresse. Mais bon, j'ai trop de trucs, j'ai pas la place. J'ai pas la place. Une petite idée, mais tu pourrais faire des lives sur les DLC Pokémon. Le premier sort le 17 juin. Bah déjà, j'aimerais bien faire un stream sur Pokémon. C'est un peu dans mes projets, j'avoue. Mais, encore une fois... Le temps. Quand est-ce que je vais les faire? Alors, on va déjà ranger les objets. Tu as Discord? Oui. On a un gros serveur qui est... Il y a un ballon qui arrive. Oh, attends, je ressors. Il y a un ballon qui arrive, je l'ai pas vu. Ça va pas, ça. Mais j'ai plein... En fait, il y a énormément de choses que j'ai envie de faire en stream. Hein. Vraiment, vraiment. Mais après... Il est où, le ballon? T'es sûr qu'il y a un ballon qui arrive? Je vois pas de ballon, hein. Je vois pas de ballon.
J'aimerais dire qu'on va être content pour le stream Pokémon. Genre princesse juste au-dessus, Tif Tif, c'est ça? Oh, c'est pas grave, j'ai loupé le ballon. C'était pas le destin, tu vois. Il nous était pas adressé, ce ballon. Alors, chaise réalisateur, ça c'est quoi? Ah, bah attends, on va regarder. Comment ça ressemble quand même. Ouais, elle est sympa. Ok. On a un panneau bas. Qu'est-ce que c'est? Un panneau, ok, on s'en fout. Il faut que j'arrête de dépenser mes poucas comme ça. Je suis trop contente d'avoir ouvert ma bouche pour une fois, vu l'engouement que l'idée a généré. Ah bah écoute, Jade, je sais plus c'était quoi ton idée, mais ça, tant mieux. Entreposer. Armoire mini, ça m'intéresse. À quoi ça ressemble? Oh, elle est trop belle! Ah mais elle est trop belle. Attends. Là, on va direct la mettre en fait. Et ça, on a quoi? Donc ça, c'est l'orgue. On range. Et on est bon. Alors, attends. Ça, on va tout de suite la placer. Elle est trop jolie. Elle est beaucoup trop cute, quoi. On va mettre le petit truc dessus. Ah, est-ce que je vais pouvoir, par contre? Parce que l'autre armoire, elle est cool, hein. Mais elle est grave plus cool. Ah non, il rentre pas dessus, du coup. Il est trop gros. Non. Mon nounours. Ouais, là, il va, mais là, il va pas. Oh. Bon, tant pis. L'armoire est trop mignonne. T'as lu beaucoup de messages aujourd'hui? Ouais, bah oui, je papote. Ah, c'est possible, Indro, ouais, que les ballons disparaissent quand on est dans un bâtiment. C'est probable. Bah, c'est bon. Maintenant, on va au musée. Exactement, petit Tifou. Maître du temps. Dans Alice. Je l'ai vu qu'une fois, d'ailleurs, le second Alice, il faudra que je le revoie. On est en train de voir le Pirates des Caraïbes 5 avec le Cux. Il nous reste 40 minutes. On l'a fait en 3 fois. Hop. Je bois un peu. Hé, Tibou! Hé, Tibou! C'est quoi ces bruits? Il y a des bruits bizarres des fois sur mon PC, je sais pas d'où ils viennent. Bonjour! Allez, expertise mes fossiles, dis-moi que tu les as, comme ça je les vends, je suis contente. Merci Thibaut d'avoir parlé du fait de payer les artistes, graphistes, monteurs. C'est bête, mais j'entends trop souvent le « mais tu pourrais le faire gratuit alors que c'est mon gagne-pain ». C'est normal. Enfin, c'est pour ça d'ailleurs que je n'accepte pas des trucs gratuits. À part, je vous dis, quand c'est vous qui faites des fanarts en gros et que... Genre la bannière sur la chaîne secondaire, typiquement, c'est ça, c'était un cadeau d'une fille. Donc en soi, quand ça vient de vous, je ne refuse pas, c'est comme un cadeau. Mais il faut savoir que je suis chiante comme meuf, c'est-à-dire que quand moi je demande quelque chose, et c'est normal. Par exemple, j'ai contacté une graphiste qui d'ailleurs doit me recontacter bientôt pour avoir une bannière avatar pour ma chaîne Twitch. Et clairement, je vais lui dire ce que je veux, tu vois. C'est pas, c'est compliqué de faire un travail comme ça pour quelqu'un, c'est normal que je la paye. C'est tout à fait normal. Je me verrai pas faire ça gratos, quoi. J'ai pas vu du coup, il a pris ou pas? J'ai pas fait attention. Ah non, il a rien. Oh, trop bien! Oui! De la tunasse! Thibaut et Thibou sont dans un bateau. Thibaut tombe à l'eau. Qui est-ce qui reste? Il reste Thibaut! Tu relis un peu le chat après les diffusions de tes streams? Ouais, souvent. Surtout quand je pose une question et que je veux voir vos réponses, tu vois. Souvent. Bah, en fait, le 5, honnêtement, je le trouve pas dégueulasse. Mais c'est des SDF, en fait, les pirates là. Niveau classe, on va dire, c'est pas ouf. On n'est pas sur du prestige de dingue, quoi. Je sens l'odeur du repas qui s'échappe de la cuisine, je crois que je vais baver. Bizarrement, j'ai pas trop faim alors qu'il est midi moins le quart. D'habitude, je suis en train de crever de faim. Mais là, ça va. Y a rien, ok. Oups. Oh, on peut rembourser le prêt. Yes. Ah, ça c'est cool. Et demain, faut qu'on prenne les navets. Ça va être bien aussi. Tu connais le film Tout en haut du monde? C'est mon film préféré, tellement triste et beau. C'est des gens qui connaissent, c'est pas très connu. Non, je connais pas. Je ne connais point. Les commissions, c'est toute une histoire. Sur internet, niveau reconnaissance, ne pas tout accepter quand on est graphiste aussi, c'est pas une partie, c'est une partie du métier. Mais je sais. Je sais que c'est très difficile. Et c'est pour ça que je ne veux pas que je veux pas rentrer dans le système où justement tu le fais gratos et je te fais de la pub. Après, je peux pour certains trucs, tu vois, où je fais de la pub en plus de toute façon. Mais avec l'épargne, je rembourse mon prêt. Oui. 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 Non. Oui. Oui. 1 248 000. Je suis ruinée. Je suis en train de faire des tacos maison. Oh, n'en parlez pas de bouffe par contre, c'est déloyal ça. Hein.
Allez, mon rapatio, j'ai payé. J'ai payé. Viens m'en proposer un autre, viens. La maison est plus grande. Oui, 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 oui. Merci beaucoup, Tom. Tu sais gérer tes clochettes. Ah bah tu m'étonnes, je te donne tout. Tu m'étonnes. Et pourtant, ah, certaines ambitions démesurées ont du bon. Sans elles, aurions-nous développé un tel paradis insulaire? C'est donc sans aucune idée derrière la tête que je te l'affirme. Je suis en mesure de te construire un sous-sol. Voilà, fais ce que tu veux de cette précieuse information. Et sans vouloir me répéter, félicitations. Bah ouais, bah bien sûr. Même si j'ai pas encore meublé mon étage, mais c'est un détail. On va mettre l'orgue au sous-sol. Je veux mon sous-sol. Je veux mon sous-sol. Je veux mon sous-sol. Vas-y, 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 je veux agrandir. Oui. Ah, vas-y, vas-y. Oh, je m'attendais à pire. Vas-y, vas-y, fais péter. Putain, 2 millions de clochettes. Ça, par contre, c'est bien, c'est que t'as le truc avant de payer, tu vois. Donc, bon, en soi... Bon, bah, 2 millions de clochettes, hein. 2 millions de clochettes, mes agneaux, hein. C'est tout un... Je connais pas Animal Crossing, pourquoi Thibaut a pris un prêt? C'est une obligation pour jouer. En fait, dans Animal Crossing, tu dois agrandir ta baraque. Et Tom Nook, qui te prête des clochettes pour agrandir ta baraque. Par contre, vu que demain, il y a les navets, j'ai intérêt à plus claquer de thunes, là. Hein. Dis donc. Non, mais dis donc. Non, mais dis donc. Oh oui, c'est samedi, il y a Kéké. Oui! C'est pour avoir une maison plus grande, exactement. Exactement. Bonjour! Sois la bienvenue à la boutique Nook, c'est un plaisir! Merci, petite chose. Oh! Non, c'est... Oh! Ah! Alors ça, c'est flippant. Ça peut être sympa, pourquoi pas. Et ça... alors, c'est tentant, hein, mais si je mets ça dans le sous-sol, ça fait clairement penser à Life is Strange. Donc, on va pas le faire. Tu vas juste m'acheter mes trucs. En une semaine, c'était fait. Ouais, mais la dernière fois, avec les navets, j'ai pu quasiment faire mon prêt d'un coup. Hein. Donc, faudra acheter les navets. Allez, achète-moi mes trucs. Un crâne de Ticeratops, un machin, une chaussure, un caillou, une petite branche. Du coup, je le redis ici, mais je comprends maintenant pourquoi tu oses pas me demander plus de Minya. En tout cas, j'ai beaucoup aimé faire la Minya de Dead Film. Gros bisous. Merci à Isla, t'es mignonne. Bah oui, effectivement, ça met mal à l'aise. Hop. Confirmé. Les navets sont chers. Ah bah. Mais avec tous... Vous êtes tous là, donc je pourrais aller sur une de vos îles, tu vois. 16 000 clochettes, c'est tout! C'est tout! Oh là là, j'espérais plus! Mélo, je suis déçue. En vrai, je pense que l'orgue doit valoir trop trop cher. L'orgue, il doit valoir la masse de thunes. J'étais en train de chercher des rediffs et je me demande pourquoi il n'y avait pas de barre pour resituer la vidéo au début. En fait, c'est un live. Ah bah oui, Soussou. Je vais quand même aller voir les vêtements. Je ne suis point raisonnable. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais on ne sait jamais. Imagine, il y a des beaux vêtements pas chers. Ça peut valoir le coup, hein. Mais le lit, Mélo, Mélie, Mélo. Putain, Tifou, on dirait... Comment ça s'appelle? Chichili sur le serveur, qui a un humour. J'ai vu plusieurs vidéos de gens avec des gros mètres carrés de navets, et moi je comprends pas trop le délire, je suis pas vraiment à Animal Crossing. Ah, mais en fait les navets c'est comme la bourse. C'est-à-dire que t'achètes tes navets sans clochettes, et le lendemain tu peux les revendre 200 par exemple. Et tous les jours le cours il change, donc faut guetter. C'est comme le dit le coq, c'est un truc de capitaliste. C'est vrai. Mais demain, du coup demain, et c'est que le dimanche matin que tu peux acheter des navets. Donc le matin... Tu vois? Alors, qu'est-ce qu'il y a de... Oh! 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 Oh, le côté roi, là! Oh, c'est stylé! Oh, ouais, j'adore! En rouge, ça fait tellement roi soleil. Ou en blanc, ou en bleu. Oh, celle-là, elle est classe. Celle-là, elle est bien. Celle-là, Ouais, on dirait Chili, c'est ça? Celle-là, rouge, ça fait peut-être un peu trop noble. Celle-là, elle est bien mousquetaire. En plus, j'ai un chapeau de mousquetaire. Ça, je les ai déjà. Il y a combien de vêtements différents dans Animal Crossing? Il y en a qui reviennent quand même. Hein. C'est marrant aussi. Ça, c'est moins sympa. Oh, il est beau ce chapeau-là. Chaussettes, ouais, il n'y a rien de ouf.
Chaussures, hein? Chaussures, bof. Ouais, non, il n'y a que la veste qui me plaît. Super-héros. Ah non, super-héros, moi, ça me hype moins. Ça pourrait être drôle à plusieurs, en vrai. Si, genre, toutes les modos, elles prennent un truc de super-héros. Elles sont sympas. Elles sont sympas, j'avoue, mais je préfère le vêtement du roi. C'est mon côté bourgeois. Alors, noir ou rouge? On peut faire un sondage. On peut faire un sondage, modo. Ton chapeau mousquetaire est bleu, prends la redingote bleu clair. Ah, ouais, mais bleu clair, elle est moins classe. Ah, non, je préfère celle-là quand même. Je préfère celle-là. Bleu clair, elle fait plus pas vrai, je trouve. Mais c'est vrai que c'est assorti au chapeau de mousquetaire. C'est vrai que... C'est vrai que bleu, ça fait plus mousquetaire. Ah, il y a ça aussi. Du coup, sondage. On peut faire un sondage avec trois trucs? Parce que bleu clair, c'est vrai que ça va avec le chapeau. C'est à prendre en compte quand même. Ou alors, j'en prends deux en fait. J'ai pas pensé. Ah oui, t'as tout mis en fait. Bleu, noir, blanc, rouge. C'est vrai que le blanc me plaisait aussi. Attention. Votez, votez, votez. Hein. Allez-y, hein. Ah, le bleu, c'est merde bien. Thibaut récolte tes fruits et vend-les pour avoir des clochettes. Ouais, mais ils arriveront demain, normalement, mes fruits. Là, c'est que les pommes, ça va pas me rapporter grand-chose. Toute hésitation se règle avec un sondage sur Twitch. Exactement. Après, rien ne m'empêche d'en prendre plusieurs. Mais c'est quand même 4800 clochettes, quoi. Le bleu est en tête, hein. Thibaut, il y a 2 minutes. Faut que j'arrête de dépenser les pour les navets demain. Et maintenant, on en prend deux. C'est l'histoire de ma vie. Déjà, dans la vraie vie, là, j'ai trop envie de m'acheter des fringues, mais de ouf. Mais je me dis qu'il faut que je garde ma thune, du coup, je me frustre, tu vois. Au moins, dans Animal Crossing, je peux, c'est des clochettes. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort? Le bleu en tête, de ouf, hein. Le bleu en tête, hein. Donc, on est d'accord, on prend le bleu. Mais je me tâte aussi à pas en prendre une autre, en vrai, hein. En vrai, les quatre couleurs, elles me plaisent. Le bleu, c'est sûr. Le bleu, c'est sûr. Acheté. Je règle mon panier. Non, je ne porte pas. C'est chiant qu'on puisse pas ajouter plusieurs trucs à même truc à chaque fois. Et c'est vintage, ça marche bien pour les vêtements. Ah, c'est pas faux. Mais après, je veux des vêtements assez spécifiques. Genre, j'aime bien les vêtements vintage. D'ailleurs, si vous avez des bons plans, si vous connaissez des boutiques, à part EMP, des boutiques qui vendent genre un peu des robes Lolita, genre, ou des trucs un peu genre cintrés au niveau de la poitrine et de la taille, et lâches en dessous, un peu les robes dans Hello Dolly, genre trucs comme ça, ou des corsets, des trucs comme ça. J'adore ce genre de fringues. Mais c'est dur à trouver. Donc. Fais-toi plaisir, les clochettes, ça se refait avec quelques poissons et fossiles, ça remonte. Ouais, j'avoue, tu vois. On va prendre une autre couleur. Enfin, en friperie pour le vintage. Il n'y a pas beaucoup dans Grenoble et je suis pas fan. En fait, je veux pas forcément du vintage, je veux style vintage. Tu vois. Et puis vintage, pas des années 80, hein, vintage d'avant, tu vois. Sur Dress Lily, mais il faut faire attention aux tailles. Ouais, ça c'est le piège, parce que c'est pareil, je suis pas mince comme meuf. J'ai des gros boobs, j'ai un gros cucu, donc faut que je puisse passer dedans, quoi. Je regarderai vos références après. Le plus gênant, demander combien tu as dans ton compte en banque ou demander combien de clochettes tu as dans ton DAC sur Animal Crossing. Oh bah le compte en banque, c'est plus gênant. C'est clairement plus gênant. Hein. Je pense que je vais prendre les 4. Je peux pas sélectionner. Tu vois, c'est chiant, je peux pas ajouter les 4 au panier. Faut que je revienne à chaque fois. Premier 4, allez. Allez! Allez! Ah, mais ils sont beaux en même temps. J'aime bien. J'aime bien. Et quelle heure? 11h55. Oh, ça va le faire! On va avoir fini. Je vais juste aller me changer après. Ou la robe bleue derrière, ouais, mais ça. Prends pas les 4, les prêts sont hyper chers à force. Les prêts. Ah, mais je sais, licorne, mais c'est pas grave. Les prêts, j'ai toute ma vie pour les rembourser, hein. Ah si, j'ai fait expertiser les fossiles. Et il n'y a aucun qui était compatible. Acheté. Les navets. Ouais, j'avoue, faudrait que je garde les clochettes pour les navets. Mais en même temps, elles sont belles, les vestes. Tu vois. Donc, Ah merde, je l'ai gardé sur moi. Oh zut. Bon, du coup, il n'en reste plus qu'une. Sondage pour t'aider et quelques minutes après, tu prends les 4. Oui, c'est vrai. Oui, mais j'aime bien. En fait, j'aime beaucoup, beaucoup les trucs de royauté et tout ça.
J'adore ce genre de fringues, je suis très faible. Donc dans la vraie vie, je peux pas en avoir, donc je les prends, tu vois. T'auras plus de sous pour les navets. Bah en fait, j'ai quand même tout ce qu'il y aura demain. Normalement, demain, les fringues, ils auront repoussé. Enfin, les fringues. Les fruits auront repoussé. Donc ça devrait aller. RIP à nos sondages. Mais non, ça m'a été utile, j'ai acheté en premier. Allez, on va changer maintenant. Oui, oui, oui. À quoi bon jouer à Animal Crossing si on peut pas acheter tous les vêtements qu'on veut? Bah c'est ça, Silaya, c'est ça. Créons pas de frustration là où il n'est pas censé y en avoir. Évidemment. Allez, go à la maison. Oh, j'ai faim, ça y est, j'ai faim. Ça y est. On va juste se changer et puis on s'arrête. En même temps, Thibaut, t'es une reine. Oh, merci. Ah non, c'est bon, j'avais déjà vu le message. Alors, voyons voir, les vêtements. Je veux changer de vêtements. Faudrait que je change au début du stream, en vrai. Parce que là, du coup, on profite pas longtemps de sa tenue. C'est frustrant. On va mettre... Je vous rappelle pas que j'avais ça. Oh, il est stylé. On va mettre, du coup, la tenue mousquetaire. On va mettre la tenue mousquetaire, of course. Il est où, mon chapeau? Il est là! Le chapeau! Ouais, ça pète la classe. Par contre, j'ai pas de pantalon. Elle est cul nue, là. Ça ne va pas. On peut pas avoir un personnage cul nu. Est-ce qu'on peut la mettre en petite jupe? Non. Et il me faut un pantalon. Il me faut un pantalon. Un pantalon. Bah, je vais mettre le jean. Bah, c'est le moins pire. En vrai, j'ai pas de pantalon. J'ai juste des trucs moches, quoi. Enfin, j'ai pas grand-chose en pantalon. En même temps, je la fous tout le temps en robe, d'habitude, hein. Donc, on en profitera au prochain stream. Oui, c'est vrai, on en profitera au prochain stream. J'arrive plus à parler. Et il faut des petites chaussures. Il faut des petites chaussures. Oh, des petites chaussettes, déjà, c'est important. Et des petites chaussures. Elle est mignonne. Elle est trop chouquinette. Et j'ai pas de trucs à mettre dans les mains. J'ai pas beaucoup de trucs à porter, genre une ombrelle. J'en ai pas tout ça. En fait, j'ai pas grand chose en vêtements. Hein. En vrai. J'ai le bec de canard. Oui, non, mais elle est bien comme ça. Elle est sympa. C'est parfait. Petite mousquetaire. Ah oui, je comprends, Aisley, je comprends. Hop là. Et on va s'arrêter là. J'ai juste débloqué un truc, donc je vais aller voir. Il manque plus que l'épée. Mais oui. Mais oui. Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie... C'est l'heure de bouffer, faut aller manger. J'ai faim. La tenue du moustiquaire du mousquetaire, exactement. Il y a un site pour voir les poissons en live qui sont disponibles. Oh, sympa. Allez hop là, on a débloqué plein de trucs, c'est nice. Oh, mais attends, mais tu sais que tous mes miles, je pourrais les échanger contre des tickets de clochette en fait aussi, hein. Techniquement. Ça va, j'ai rien d'autre ici. Non, j'ai tout. On pourra peut-être faire ça demain pour acheter plus de navets. Demain, c'est les navets. Hein. Demain, c'est grosse mission. Du coup, on s'arrête là, mes poulets. Je vous fais plein de bisous. Je vais aller manger. On se retrouve cet après-midi pour un stream. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo de ce matin et de mettre les poissons scorpions, c'est le démon, en commentaire. Comme ça, je saurai que vous venez de Twitch. Je vous fais plein de poutous et on se retrouve du coup cet après-midi pour le zoo. Comme je vous dis, je ne sais pas encore l'heure exactement. Je vous dirai ça. Plein de bisous. Prenez soin de vous jusque-là. Je vous aime très très fort et je vais manger. Ça, c'est bien. Manger, c'est bien. C'est important. Il faut manger. Voilà, c'était le mot de la fin.